Adeline, je te laisse peut-être rappeler quelques éléments de consigne. Oui, bien sûr. Donc, simplement, donc, bonjour à tous hein, pour ce webinaire organisé par l'ASTE sur la gestion et les travaux sur les cours d'eau face au changement climatique. Simplement, donc, pour vous rappeler, pour les participants, on vous invite du coup à désactiver votre micro et votre caméra. Lorsque vous souhaiterez poser des questions, vous pouvez utiliser la barre de chat qui est juste à côté, à gauche du signe « Levez la main ». Sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité-là pour poser vos questions. Et Jacques Delaroque, qui anime ce webinaire, les transmettra ensuite aux intervenants. Voilà, donc, je vous souhaite à tous et toutes un bon webinaire. Donc, bonjour à tous, merci à tous les participants d'être présents à cette réunion, à ces échanges, à cette participation. Donc, l'idée et l'objectif qu'on s'est fixé avec l'ASTE, en particulier la commission ressources en eau et milieux aquatiques de l'ASTE, c'est d'aborder le sujet du changement climatique, mais sous un angle un peu différent, c'est-à-dire au lieu de regarder les conséquences du changement climatique sur toutes ses facettes, c'est plutôt de se dire aujourd'hui comment on aborde la gestion, les travaux, les actions à mettre en œuvre pour améliorer la gestion des cours d'eau face au changement climatique, donc ça veut dire face à des milieux potentiellement et des écosystèmes potentiellement différents dans 20, 30, 40 ans. Donc c'est des questions finalement qu'on se pose peu, en tout cas il y a peu d'échanges sur ce sujet, alors pour plusieurs raisons, parce que on est dans nos dynamiques de gestion actuelles, parce que on répond aussi à des demandes réglementaires, parce que on n'a pas encore complètement l'habitude, il y a peut-être des craintes de certains, et puis il y a aussi des manques de connaissances, hein, c'est clair, des manques de recul. Donc l'idée, avec l'ASTE, on s'est dit qu'avec les sections régionales de l'ASTE, c'est de pouvoir engager un cycle de réunions, un peu de ce type-là que l'on va inaugurer aujourd'hui pour commencer un peu à se poser ces questions et à se dire finalement les travaux aujourd'hui que l'on mène sur nos cours d'eau, si on devait les mener dans des situations de cours d'eau différents dans 20 ans, est-ce qu'on ferait les mêmes? Est-ce qu'on aborderait la dynamique totalement différemment? Est-ce qu'on abandonnerait certaines actions? Est-ce que on les poursuivrait? Voilà, c'est un peu tous ces questionnements qu'on aimerait impulser finalement et démultiplier sur le territoire, parce qu'on trouve, et on a partagé avec les intervenants et puis avec d'autres acteurs, c'est vrai qu'on discute peu sous cet angle-là. Donc du coup, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur l'introduction, on va laisser place un peu aux échanges, on aura l'occasion de revenir, je pense, après chaque intervention, l'idée étant d'avoir autour de 25 minutes d'intervention et 10 bonnes minutes d'échange sur chacune des interventions. Donc, il y a trois interventions, vous avez vu dans le programme. Donc, il y a une intervention par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse avec Benoît Terrier qui va représenter des éléments de connaissance finalement assez récents et de simulations assez récentes sur les phénomènes de cours d'eau et les phénomènes d'intermittence. Ensuite, Christophe Moiroux, donc de la Compagnie nationale du Rhône, présentera et s'est reposé les questions par rapport à des aménagements sur Iseron et sur le Rhône au regard de la problématique hydromorpho et aussi ripisylve. Et puis enfin, avec Jean-Pierre Faure, on terminera, directeur technique de la Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. On se reposera, mais on posera la question sous l'angle du poisson, en fait, hein, sous l'angle de la vie aquatique et ses conséquences à travers aussi quelques exemples qu'il a pu revisiter en se projetant un petit peu dans ces nouvelles configurations face au changement climatique. Donc, je laisse la parole à Benoît hein, pour commencer, et puis voilà, on échangera tous ensemble après. Je
Bien, bonjour à tous. Merci Jacques. Alors, je vais afficher ma présentation. Qui n'apparaît pas. Ah. En effet, ça apparaît pas. Pourtant, tout à l'heure, c'était bon. Oui, ça y est, elle apparaît. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Bien, donc je suis Benoît Terrier, je suis chef de projet à l'Agence de l'eau et je vais vous restituer plusieurs travaux qu'on a menés soit en interne, soit en partenariat avec des organismes de recherche sur la connaissance des phénomènes d'intermittence. Et je ferai le lien donc aussi avec les préconisations qu'on retrouve dans le projet de SDAGE et j'illustrerai mes propos par un exemple de restauration. Donc voilà, l'idée dans un premier temps, c'est de parler de la caractérisation et d'un travail de modélisation du phénomène d'intermittence qu'on a mené à une échelle régionale. J'illustrerai l'ampleur du phénomène et l'évolution prévisible sous changement climatique qui a été étudiée par quelques chercheurs. Je présenterai quelques éléments de connaissances complémentaires, alors sur des aspects de biologie et de sociologie. Et puis donc, comme je le disais, je parlerai des aspects de préservation et de restauration dans le projet de SDAGE avec donc un exemple de restauration qui sera celui de la Clauge dans le Jura. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un cours d'eau intermittent ? Donc les cours d'eau intermittents peuvent se définir comme des rivières qui cessent périodiquement de s'écouler sur une partie ou la totalité de leur parcours. Donc, c'est une définition qu'on avait reprise dans la note technique du SDAGE Rhône-Méditerranée sur les cours d'eau intermittents. Ça veut donc dire qu'au niveau de l'intermittence, c'est un phénomène où on peut avoir un écoulement non visible, donc encore de l'eau, avec des mouilles, mais qui peuvent être par exemple déconnectées, ou alors on peut se retrouver aussi dans une situation d'assec. Alors, un petit mot sur cette note du secrétariat technique du SDAGE qui était sortie en 2014. Quand on s'est penché sur le travail des cours d'eau intermittents, sur les aspects de connaissance, etc., et qu'on a relu cette note, on a trouvé que les principes un peu fondateurs de base qui étaient dans cette note étaient encore visibles. Donc, ça en fait un bon document de référence. Alors, quelques illustrations de cours d'eau en situation d'intermittence, en situation d'assec. Donc, là, l'Iseron. Et comme l'a dit Jacques, les présentations suivantes reviendront sur ce cours d'eau. Là, vous avez donc des photos de la Clauge, donc en écoulement avec la photo du haut et en assec pour la photo du bas, donc la Clauge qui est un cours d'eau dans le Jura qui s'écoule dans la forêt de Chaux. Alors, de quelles données dispose-t-on pour suivre l'intermittence ? Les principales données mobilisables dans le suivi des étiages et des assecs, ce sont les données de la banque hydro, donc les données hydrométriques, les données de la base ADES, donc sur la piézométrie, et également les données du réseau ONDE de l'Observatoire national des étiages. Donc, je vais revenir sur cet observatoire. Ce que je présente là est issu du travail de Théo Quenouillère, qui était en Master 2, qui a passé un an en alternance avec moi et qui a fait donc un travail de modélisation que je vais présenter là juste après, mais qui a aussi balayé d'autres aspects sur les cours d'eau intermittents. Alors, le réseau ONDE, donc cet observatoire, ce sont des observations et on a trois modalités principales pour l'observation donc des cours d'eau. Soit l'écoulement est en situation d'écoulement visible, soit on a un écoulement qui n'est pas visible, soit on est en situation d'assec. Donc là, c'est un exemple qui est pris sur le Calavon. Et donc, les données sont en ligne sous Eau France. Il y a un peu plus de 3300 stations en France métropolitaine où on voit donc là, sous forme de points, donc les différentes modalités d'observation du réseau ONDE, des stations ONDE, avec écoulement visible, non visible, à sec, avec deux autres modalités aussi, observation impossible ou absence de données. Alors, la modélisation de l'intermittence qui a été réalisée, donc elle a été réalisée à une échelle régionale. Elle s'est basée sur un modèle qui a été développé en 2018 par les équipes de l'INRA et de Lyon, donc l'équipe d'Aurélien Beaufort, d'Éric Soquet et de Thibaut Datry. L'idée était d'établir un lien entre l'assèchement qu'on observe au travers des stations du réseau ONDE
et les conditions hydrologiques à une échelle régionalisée. Donc, les sources de données qui ont été utilisées, ce sont des données donc, d'observation du réseau ONDE qu'on a essayé de mettre en lien avec les données hydrométriques de la banque hydro et les données piézométriques de la base ADES. Donc, il y a une sélection des stations qui a été effectuée sur la base ADES, par exemple, sur les plus de 5000 stations de la base ADES. Il y en a en gros un millier en France métropolitaine qui ont été sélectionnées parce qu'elles étaient les plus susceptibles de rendre compte du lien entre nappe et cours d'eau. Donc, il y a une spatialisation qui a été faite en région hydrologiquement cohérente. Donc, à l'échelle de la métropole, il y a un croisement entre l'hydroéco-région de niveau 2 et 12 régimes hydrologiques qui a été fait. Sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, on a croisé les sous-bassins versants avec 3 régimes hydrologiques. Et puis, donc, on s'est basé sur 2 variables descriptives, une probabilité régionale d'assèchement et une situation hydrologique qui va être exprimée en fréquence. Donc, je vais revenir dessus. Hop là. L'idée, donc, c'est vraiment d'étudier l'intermittence comme une variable hydrologique pour les petits cours d'eau et les têtes de bassin versant, puisque c'est essentiellement là que sont situées les stations du réseau de données ONDE. Donc, voilà, établir un lien entre l'assèchement qui va être observé. Donc là, on va prendre les deux modalités de la base de données ONDE, des stations ONDE, sur écoulement non visible ou à sec, et les conditions hydrologiques, donc voilà, les données en croisant les données hydrométriques et piézométriques à une échelle régionalisée. Et pour chaque territoire, on va établir une relation à partir des données disponibles, donc qui croisent donc, le pourcentage d'ASEC, donc en regardant le pourcentage de stations qui sont en écoulement non visible ou ASEC, avec des fréquences de non-dépassement. Là, on a regardé donc la courbe des débits classés et l'équivalent pour les données piézométriques. Et une fois que ce lien a été fait, on peut reconstruire donc des probabilités d'intermittence à partir des données hydrologiques passées. Donc, on peut arriver donc à donc là on a fait ce travail là entre 1990 et 2019. Voilà, pour chaque territoire, on était à même de reconstituer ces chroniques au pas de temps journalier. Et donc, à partir de là, on peut placer des seuils de détection d'ASEC, de pourcentage d'ASEC, et faire ressortir des situations d'ASEC. Donc là, on voit par exemple que sur le territoire des Gardons, sur la saisonnalité moyenne, on voit qu'on a des ASEC qui ont tendance à commencer pour le seuil de détection présenté ici au mois de juin et à s'arrêter au mois de novembre. Donc, quand on regarde à l'échelle des bassins Rhône-Méditerranée et Corse, donc ce que ça donne. Donc là, voilà, on présente les moyennes mensuelles qui sont simulées sur 1990 et 2019. Donc on voit que l'intermittence, c'est un phénomène qui est variable dans l'espace et dans le temps. On voit que, en général, l'intermittence se met en place progressivement de juin à juillet. Elle est à son maximum d'intensité en août et en septembre, et puis elle va décroître en octobre, et puis avec les premières pluies automnales. On voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement le sud du bassin qui est concerné, la zone méditerranéenne, mais on voit que c'est un phénomène qui est aussi présent sur le nord du bassin, notamment voilà, sur la plaine de Saône, dans le Jura, dans les Vosges également. Quand on regarde également les moyennes simulées sur les dernières années, entre mai et septembre, donc les moyennes annuelles. On voit qu'on a eu, 2014 était une année qui a été un peu plus pluvieuse, le phénomène était un peu moins présent, et à contrario, en 2016, 2017 ou 2019, on voit que le phénomène était bien présent. Et en 2018, on voit qu'on avait une certaine hétérogénéité plus forte peut-être du phénomène, avec certaines régions qui étaient vraiment plus touchées que d'autres. Et on voit, en fait, quand on fait le travail à l'échelle de, voilà, des 40 dernières années, ce qu'on a tendance à observer, c'est une augmentation du phénomène d'intermittence sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Alors, on parle d'intermittence. Est-ce que cette intermittence, elle est naturelle, du fait du seul facteur hydrologique, ou est-ce qu'elle est Benoît, on t'a perdu là.
Benoît, on t'entend plus. J'ai l'impression qu'il a peut-être été déconnecté. En tout cas, son micro est coupé. J'essaye de l'appeler. Hein. J'arrive pas à le joindre, désolé, hein. J'ai l'impression qu'il a une déconnexion complète là. Adeline, t'arrives à le joindre? J'essaye de le joindre, mais je J'y ne arrive sais pas, pas il non a plus. disparu là complètement. Désolé, hein. Ben oui, non. Alors, voyons voir. Oui, si on n'arrive pas à le joindre dans 1 minute, on va passer à la présentation suivante. Et puis, tant pis, hein. Il reprendra après. Oui, Jacques, j'ai pas réussi à le joindre non plus. Donc, bon, effectivement, peut-être on embraye sur une autre présentation. En espérant qu'il va pouvoir se reconnecter dès qu'il pourra. Vous souhaitez que je... Ben ouais, Du du coup, coup, Christophe, voilà. Ouais. ben oui, on n'arrive pas, je sais pas, il est disparu, j'ai l'impression qu'il y a une coupure complète chez lui, je sais pas. Bon. On va faire ainsi, et puis s'il arrive à se reconnecter au webinar, il reprendra après moi du coup. Oui, c'est ça, tu finis, du coup, t'enchaînes et tu termines. D'accord. Bien, je vais charger la présentation.
Est-ce que vous me dites quand vous voyez l'écran ou quand vous voyez mon écran? Oui. Ouais, mais C'est bon? on te voit en mode double diapo là, on ne te voit pas en mode. Alors, est-ce que là, ça apparaît normalement? Je suis toujours en mode double diapo. Oui, pour le moment, oui. J'ai une manip à faire ou parce que tout à l'heure ça marchait Bah ouais, je comprends ici pas. affiché. Je vais refaire une. Je reviens tout de suite au niveau de la présentation. Je vais la remettre sous un autre peut-être format parce que j'ai pas partagé le bureau complet et ça vient peut-être de ça. Maintenant, vous allez me dire, attendez, est-ce que là, c'est en pleine page? C'est toujours en double diapo? Non, là, on n'a rien. Pour le moment, on n'a pas Ça encore va, le. C'est Ça devrait. catastrophique. Non, 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 mais ça devrait fonctionner. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Ben oui, je comprends pas. Là, vous avez toujours rien. Non. Toujours rien, Christophe. Bon, moi je vois que je suis en projection, c'est quand même. C'est pas grave, sinon tu reviens sur tout à l'heure, hein, tu ne mets pas en mode Ouais, diapo, je on te vais voyait me bien. mettre. Allez. Bon, là, tu es en double, donc reviens sur ta page. Oui, mais là, c'est bon, hein, ça marche comme ça. Bon, On voit, je pense que tout le monde voit là. on va malheureusement on va fonctionner comme ça. Hein, je ne sais pas pourquoi. Paramètres d'affichage. Ah, si, peut-être. Non, mais reste comme ça. Voilà, bon, je vais commencer. Là, je suis toujours en double. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Allez, bah attends, ouais, tant pis, désolé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je suis Christophe Moiroux, je travaille à la Compagnie nationale du Rhône à la direction de l'ingénierie. Donc, sur cet exercice qui n'est pas évident, c'est donc d'évoquer les réflexions sur la résilience des milieux aquatiques à l'épreuve du changement climatique lors d'opérations de restauration, donc au travers de deux exemples, de l'Iseron et du Rhône. Donc, c'est de rappeler des contextes de réchauffement climatique que Benoît a introduit, donc toute la problématique de l'intermittence, et de prendre trois angles, notamment la restauration au travers de la ressource en eau, au travers de l'angle des espèces invasives et de la restauration des milieux rivulaires. Et puis pour conclure, d'aborder des réflexions, des questionnements qu'on est amené à se poser. Et je prendrai un très grand recul vis-à-vis de ceci, parce que c'est voilà, le sujet, il est assez complexe. Donc pour rappeler des éléments de la gestion de la ressource en eau, donc là il y a déjà des études qui ont été réalisées à la Compagnie nationale du Rhône et puis également à l'Agence de l'eau pour donner des perspectives sur du moyen long terme au niveau de la baisse de la ressource en eau. Donc, à la CNR, on raisonne en productible. À horizon de 2050, on aurait une baisse de l'ordre de plus de 25%, donc au niveau de Génissia, qui est sur le Haut-Rhône, donc à la sortie de la Suisse. Il y a une autre étude qui nous donne sur l'ensemble du bassin du Rhône, sur l'ensemble des aménagements hydroélectriques, une baisse de 10 à 20% de la production d'électricité, donc qui est directement corrélée avec le volume d'eau qui transite de par le Rhône. Et les études de l'Agence de l'eau de 2014-2016, qui à horizon 2060 et 2100, évoquent des baisses de 10 à 30% du débit moyen du Rhône, donc au sud à Beaucaire, et de 10 à 40% à horizon 2100. Donc à savoir que ces études sont en cours d'actualisation, donc là elles commencent déjà un peu à dater, et qu'il y a quand même pas mal d'équipes, on va dire, qui travaillent sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un premier indicateur de la baisse du débit. Vous avez une illustration du glacier de la Furka, qui est, pour ceux qui connaissent, sont les sources du Rhône, donc en Suisse, avec, quand on parle de réchauffement climatique, de la résilience, depuis pas loin de 4-5 ans, l'homme qui a posé une bâche sur la partie terminale du glacier de la Furka pour préserver certaines activités humaines. À savoir que ces bâches qui sont représentées donc sur la droite de la photo, ça représente quand même quelques hectares. Donc ça aussi, c'est bon, voilà, des actions qui posent questionnement.
et dans les effets du réchauffement climatique. Autre indicateur, Benoît l'a abordé sous l'intermittence, la sévérité des étiages. Là, depuis quelques temps, on a des équipes qui travaillent aussi en hydrologie sur ces problématiques-là, avec un indicateur qui est notamment l'étendue spatiale maximale, c'est-à-dire sur l'ensemble du bassin versant du Rhône, à la fois le Rhône et tous les affluents associés. Donc, notamment, c'est classé avec des analyses statistiques des débits les plus bas, notamment les 10% des débits quotidiens les plus bas. Et on constate, on constate que depuis l'année 2003, les années s'enchaînent avec plus de 75% du bassin versant du Rhône, qui est notamment avec des sévérités d'étiage qui sont très, 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 très marquées. Alors, ces étiages marqués historiquement, ils ont été présents, à part que les événements étaient relativement rares. Maintenant, ils sont beaucoup plus fréquents, on voit sur ces 10 dernières années. Et vous avez des photos, des illustrations, notamment la grosse sécheresse de 76, avec une photo donc du Rhône donc à Vernaison, là qui est sous l'influence des aménagements hydroélectriques, qui a donc on voit les illustrations sur les activités quoi sur les baisses du niveau d'eau influencées par la partie aval. J'ai replacé aussi alors d'autres illustrations des gravures de 1898 où dans Lyon les gens se promenaient sur les abords du Rhône sur le fond du Rhône. Vous avez également des étiages sévères des années 89 sur l'Isère ou alors sur le Rhône et la Saône, donc de l'année 1954. Donc ces étiages très très sévères, ils ont existé dans le passé, à part qu'ils étaient très peu fréquents. Autre élément pour les premiers signes, on va dire les signes du réchauffement climatique, c'est notamment une évolution de la température. Alors dans le cadre des opérations de restauration écologique, on s'intéresse de plus en plus évidemment à l'évolution du climat, et aux températures notamment, le nombre de jours où la température quotidienne est supérieure à 36 degrés. Donc là, on a une, je vais l'évoquer après par la suite dans la présentation, on a une pépinière donc, d'espèces végétales locales. Donc on a des instrumentations et des suivis d'une manière plus poussée sur un site. On voit une accélération ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, depuis 2003, avec un nombre de jours où cette température quotidienne supérieure à 36 degrés augmente. On est à plus de 8 à 10 jours maintenant en moyenne, et surtout les années s'enchaînent et se succèdent. On va le voir par la suite dans la complexité d'aborder ces fortes températures dans le cadre d'opérations de restauration. Évidemment, le corollaire avec la température, c'est le réchauffement des eaux. Donc vous avez une illustration sur le graphique où là, qui émane donc des études, des suivis scientifiques. Vous avez sur trois périodes, 77 à 87 en bleu, 88 à 2002 et 2003 à 2010, avec un gradient de l'amont vers l'aval, donc station de Pougny qui est à la frontière suisse, à Ramon, donc juste au delta du Rhône. Donc avec une évolution, une augmentation de la température sur ces dernières décennies, qui est de l'ordre de plus de 10 à 20% sur la température de l'eau. Donc quand on est sur des températures de 12 degrés sur la partie aval et que maintenant on passe à 15-16 degrés, je pense peut-être que Jean-Pierre va l'aborder sur des aspects piscicoles, mais là avec les scientifiques, il y a des études qui sont également menées et les interactions sur les communautés sont très importantes et encore largement méconnues. Donc ça, dans le contexte rhodanien, sur l'affluent comme l'Iseron, ça se traduit par la diminution de la ressource en eau. On l'a vu avec l'intermittence, notamment en période estivale, où maintenant c'est beaucoup plus long, beaucoup plus important. Sur l'Iseron, c'est maintenant un classique de voir une absence d'eau sur le cours inférieur de mai à début novembre. Et puis le pendant, c'est que les crues sont de plus en plus violentes avec les événements climatiques qui sont perturbés. Vous avez une illustration des crues de 2003, donc ce qui a enclenché notamment des gros programmes de Gemapien de restauration du cours d'eau. Et cette violence qui, quand je mets entre guillemets des perturbations qui sont non naturelles, parce que c'est des volumes d'eau très très importants, des gradients qui sont très rapides et avec des approches aussi des perturbations sédimentaires qui sont corrélées aussi avec ces fortes crues, et c'est pas sans conséquence sur les écosystèmes et sur la manière d'aborder leur restauration où les interactions sont forcément mal connues, donc c'est assez complexe. Donc dans le cadre de l'Iseron, il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi toute l'usage, l'approche territoriale avec l'artificialisation, les prélèvements, les infrastructures, etc. On va le voir par la suite. Donc dans cette résilience face à l'épreuve du changement climatique, dans les trois angles, c'est comment on peut observer, parce que
Là, clair, on est dans un bon aujourd'hui, c'est on expose ce qu'on sent, ce qu'on perçoit, comment on peut l'intégrer dans la réflexion. Donc sur ces trois angles, c'est la diminution de la ressource en eau par rapport à la restauration des habitats aquatiques sur ces deux types de cours d'eau, la gestion des espèces invasives végétales qui sont largement favorisées par beaucoup plus adaptées vis-à-vis du réchauffement climatique et la restauration du corridor, notamment au niveau de la végétation rivulaire, de la ripisylve, tout ce qui est adjacent notamment au niveau des berges. Alors il faut avoir à l'esprit, je pense que vous en avez bien conscience dans les activités que vous menez les uns les autres, quand on parle de restauration, d'action de gestion, on intervient déjà dans bien des cas sur des milieux qui sont très altérés par l'action humaine et il y a toute une hiérarchisation de l'impact des pressions anthropiques qui est forcément complexe à établir. Donc c'est des effets cumulés, des facteurs. Le réchauffement climatique, comment il se positionne notamment et comment il est introduit dans cette hiérarchisation des pressions anthropiques, c'est pas facile, c'est un élément de plus. C'est un élément maintenant qu'il faut intégrer. Donc après, quel est le facteur qui pèse plus que l'autre? Parce qu'on essaye toujours d'intervenir sur notamment des leviers, sur certaines pressions pour essayer de les déverrouiller. Après, il faut savoir d'où on part en fonction des pressions sur les milieux, vers quoi on peut tendre, et en intégrant cette nouvelle donne maintenant, hein, qui est bien posée avec une certaine dynamique sur le réchauffement climatique. Donc, un des premiers exemples donc, dans la restauration, c'est les opérations qui sont entreprises. Donc, au niveau de la restauration écologique du Rhône, notamment avec l'objectif qui est donc d'atteindre donc, le bon état écologique, qui se fait au travers essentiellement notamment des actions morphologiques. Donc, dans les actions morphologiques, c'est tout ce qui est reconnexion des milieux aquatiques, des annexes fluviales du Rhône, donc au chenal principal. Donc là, je ne reviens pas sur tout le passé anthropique du Rhône, hein, qui est très important, avec les premiers aménagements qui datent d'il y a 150 ans sur le développement de la navigation, les aménagements Girardon, pour ceux qui connaissent la problématique. Et après, donc la deuxième grosse campagne, qui sont les aménagements hydroélectriques. Donc c'est des actions de reconnexion des milieux aquatiques, des annexes fluviales, l'enlèvement d'ouvrages Girardon avec des élargissements du Rhône et de favoriser les processus morphologiques, les érosions, et de l'ouverture de bras, et tout ceci associé à de la recharge sédimentaire. Donc on est sur des actions de grande ampleur et on intervient sur notamment du physique pour qu'on ait une réponse notamment du biologique à ces actions prescrites, et le biologique qui touche tous les compartiments de l'hydrosystème, du milieu aquatique jusqu'au milieu semi-aquatique et terrestre. Une des actions également importantes qui a eu lieu ces 20 dernières années, c'est l'augmentation de la ressource en eau dans ces tronçons court-circuités. Donc là, le Rhône a été, donc les eaux sont déroutées vers une usine hydroélectrique et donc des parties de Vieux Rhône donc, sont sous le régime d'un débit réservé. Donc au début des années 2000, il y a eu des augmentations de débit réservé. Donc pour illustrer les choses, on est passé de 10 à 100 mètres cubes sur certains tronçons. Et après, au 1er janvier 2014, il y a eu systématiquement donc, le 20e du module qui a été mis en œuvre. Donc ça, c'est important, on va le voir par la suite, parce que c'est quand même un volume d'eau, quand on parle de gestion de ressources en eau, l'eau, aujourd'hui, on va devoir tous la partager, quels que soient les acteurs, que ce soit des acteurs industriels, des acteurs du monde socio-économique, notamment au niveau du monde agricole, de l'écologie, bien entendu, de comment cette ressource en eau elle puisse être partagée compte tenu de la rareté de l'eau. Donc, ce qu'on peut constater quand on met en place ces actions, c'est qu'on a une résilience qui est quand même très, très rapide sur les communautés des espèces, que ce soit végétales et animales. Alors, on a tout un programme de suivi post-restauration. On a le suivi des scientifiques depuis plus de 20 ans qui ont suivi l'augmentation des débits réservés et tous les processus de restauration des annexes fluviales. Donc ces suivis se poursuivent. On a des suivis également biodiversité suite à la mise en place des actions. Donc on a des consolidations des populations qui sont visées. Donc là le premier va dire l'incidence ou l'effet bénéfique c'est sur les communautés de poissons avec de la remise de plus d'eau au travers des débits réservés. Et puis des habitats pionniers qui peuvent maintenant s'opérer, qui étaient complètement, donc on était dans des systèmes complètement statiques et figés, avec ces espaces de liberté qu'on redonne donc au fleuve. Donc on constate notamment que cette résilience, elle est présente, elle est perceptible. Quand on voit l'apparition d'espèces qui étaient absentes depuis quasiment sur certains sites 50 à
à plus de 60 ans. On a, pour, il faut rester optimiste dans tout ce qu'on peut, dans tout ce qu'on peut faire. On la touche, on la voit, on l'aperçoit. Ça peut être très rapide. Si on regarde par exemple des populations de castors, hein, dès qu'on rouvre des milieux aquatiques, alors ça peut paraître très simple à le dire, mais c'est une réalité. Voilà, il y a des nouveaux espaces qui se colonisent, des nouveaux habitats qui sont mis en place, etc. Pareil pour les aspects oiseaux, pareil pour les aspects de végétation. Par contre, le système, bon, avec un recul, quoi, un recul. Avec une analyse, il peut être assez fragile parce que le volume d'eau, voilà, il est cantonné avec les débits réservés. Après, on a un fonctionnement qui est très particulier sur le Rhône avec donc un volume d'eau qui circule auprès des aménagements hydroélectriques. Donc, on est de plus en plus dans la restauration morphologique, dans le transport sédimentaire, dans les recherches sédimentaires des vieux Rhônes. Donc, après, on rentre vite dans la technique sur les capacités de transport, à partir de quel débit on va pouvoir faire bouger les matériaux. Ces matériaux qui sont utiles dans le cadre de la restauration des milieux pour les aspects, les habitats aquatiques, la faune, les invertébrés, les poissons qui en découlent. Donc, ça, c'est des opérations qui sont assez récentes. On a beaucoup de questionnements. Ça nécessitera du temps, il faudra capitaliser de l'information, mais quand on a des périodes de basses eaux qui sont beaucoup plus importantes, notamment à l'automne, voire même au printemps, voilà, déjà qu'on est dans des systèmes anthropisés, mais on avait des volumes d'eau qui étaient déjà plus importants au travers des vieux Rhônes, ça, il va y avoir des évolutions. Donc, on n'en mesure pas encore la portée. Donc, bien qu'on ait une robustesse de la résilience suite à des opérations de restauration, l'impact du réchauffement climatique sur du moyen et long terme, il va se faire sentir. Alors, un des, on va dire, c'est pas des, dans des atouts ou dans des avantages, c'est que par rapport à ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, c'est que là, on est dans des systèmes où on a déjà des volumes d'eau qui sont, entre guillemets, préservés dans le cadre du fonctionnement actuel avec les débits réservés. Et puis, avec l'augmentation des débits réservés qui ont eu lieu par notamment... Les différentes législations du 1er janvier 2014. Donc, c'est pas neutre, parce que ça assure quand même du volume d'eau. Donc, aussi, dans des approches de restauration, c'est qu'on est de plus en plus donc à travailler sur ce physique, à favoriser des milieux aussi courants pour lutter contre le réchauffement. Donc, on va le voir aussi dans du dimensionnement, c'est de on se pose beaucoup de questions sur les profondeurs des chenaux, les degrés d'ouverture, jusqu'où on doit aller. Des fois, dans des approches il y a 15-20 ans, on va dire une bonne dizaine d'années en arrière, on était plus dans du façonnage, entre guillemets, les uns les autres, hein, parce qu'on travaille en collectif sur ces opérations-là, du façonnage d'habitat très spécifique, on veut vraiment un objectif très particulier. Eh ben, on peut constater que des fois, on se plante parce que pour tout un tas de raisons, dans des processus hydrosédimentaires, dans des processus de volume d'eau des fois qui est moindre, eh ben, on peut, entre guillemets, on peut taper à côté. Donc, il faut avoir quand même pas mal d'humilité et de bien voir la portée des actions. Et quand on veut des fois être précis, on a plus de chances de se tromper. Après, il faut savoir pour qui et pourquoi. Donc ça, c'est un exemple sur le Rhône où on a quand même cette résilience qui est bien présente et avec ces questionnements maintenant sur le transit sédimentaire et d'avoir une bonne fonctionnalité de ces processus physiques. Autre exemple de restauration des milieux aquatiques, c'est dans le cadre de l'Iseron. Donc l'Iseron, on l'a vu au travers des grosses crues, donc dans le cadre de ce contrat, donc il y a eu un contrat de rivière, et notamment un gros programme Gemapien, donc porté par le SAGIRC, syndicat du bassin versant de l'Iseron, où il y a un gros volet de milieux aquatiques, restauration de milieux aquatiques accompagnant donc tout ce qui est protection contre les inondations et notamment la réalisation du système d'endiguement. Donc, vous avez sur une photo en bas sur votre gauche l'état initial avant intervention. Donc, quand on part d'un état comme ça, avec une cunette béton, avec absence d'habitat, un milieu très anthropisé, forcément en termes de restauration, en termes de gain d'habitat, la résilience, elle est aussi rapide. La réponse, elle est quasiment immédiate. Donc, sur l'Iseron, on a essayé de gagner le plus de place possible, là où c'était faisable. Techniquement, là, vous avez un exemple, notamment sur la. Là, je ne l'ai pas forcément repris en photo, j'ai pris des exemples sur la partie de Houlin, mais sur la RT42, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, où d'une deux fois deux voies, on a supprimé deux voies pour le donner à l'espace de la rivière. Donc, à un moment où on gagne de l'espace, en termes de gestion et de technique d'approche,
de restauration, ben forcément, on va pouvoir étaler les différents milieux. Là, vous avez des illustrations sur la restauration, avec la diversification du lit, avec la restauration de la répicile. Je vais le voir, je vais en reparler par la suite un peu plus loin. Donc, on a des rétablissements d'habitat qui sont, on va dire, qui sont impulsés par la restauration, avec cette particularité de ces phases d'ASEC qui sont quand même assez conséquentes, hein, de mai à notamment novembre, donc avec une résilience qui est désoptimisée temporellement. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, le milieu aquatique, lui, il en souffre ponctuellement. Par contre, bah, y a tout ce qui est à côté du milieu aquatique. Là, vous le voyez en plein été, sur cette illustration en bas à droite, sur tout ce qui est solaire, arbustive, mégaforbiais, on va le voir par la suite. La nappe est à proximité, donc on a adapté des techniques pour qu'on se mette, qu'on aille chercher et qu'on aille capitaliser l'eau au plus proche de distribuer la végétation au plus proche de l'eau. Donc on a des résultats qui sont intéressants malgré l'altération sur le milieu aquatique d'un point de vue temporel. Donc voilà un peu de cas de figure quand on a une ressource en eau qui est entre guillemets, même si elle n'est pas optimale par rapport à des systèmes naturels sur le Rhône où on a des débits réservés, et quand on n'a pas de préservation notamment de la ressource en eau, les résultats qu'on peut dire, les observations qu'on peut faire. Donc, autre approche sur la gestion des espèces invasives et notamment dans le cadre de leur prolifération, leur développement. Dans les milieux naturels. Donc en 2003, pour ceux qui bon, tout le monde s'en souvient, on a eu cette fort été, donc cet été très très chaud, cet événement caniculaire très important. Et à cette période-là, on a vu arriver sur l'ensemble de la partie sud du Rhône, du bassin versant, sud de Montélimar, l'arrivée de l'espèce dans des proportions très importantes et une colonisation de tous les milieux stagnants. Donc, milieux stagnants, ce sont les casiers Girardons, ce sont des annexes fluviales qui sont complètement déconnectées d'un chenal principal, absence de vitesse, on va dire, la plupart du temps. Ce sont les contre-canaux. Donc, on a fait toute une cartographie sur le développement de cette espèce-là. Et il y a une Laune qui avait fait l'objet d'une restauration juste 2 années avant, donc entre les années 2001-2002, la Laune de Cadrousse. Donc, il y avait tout un projet de délimonage, de retrouver des alimentations par la nappe. On n'était pas intervenu sur des élargissements de bras. Hein. La Laune, elle était déjà suffisamment importante, mais on a enlevé des matériaux. Deux ans, trois ans après, vous avez une illustration de la Laune de Cadrousse, 2004-2005, avec la prolifération des espèces de la Jussie, qui s'est complètement, on va dire, qui a complètement envahi une bonne partie de la surface en eau. Alors, on avait des zones profondes dans le cadre de la restauration. Il y a des zones qu'on n'a absolument pas touchées, des zones peu profondes qui étaient fonctionnelles. Donc, il y a eu tout un patchwork de profondeur qui fait que bah, cette plante, elle est très, très, on va dire, elle se développe dans des faibles profondeurs. Elle est complètement boostée par la chaleur. Et donc, elle a connu une progression fulgurante. Donc, on a entrepris des expérimentations pour pouvoir la gérer, puisqu'on avait des attentes territoriales, des activités de pêche, ça gênait certaines pratiques, et puis également dans la résilience des habitats, parce que bah, notamment le développement, la colonisation spontanée des herbiers aquatiques était, on va dire, compromis par cette espèce-là. On a fait aussi des études expérimentales entre la relation avec les poissons, notamment l'impact sur les herbiers, sur la dynamique de notamment des poissons. Donc on a entrepris, c'était un site pilote, on a fait pas mal d'opérations, de travaux de gestion, de lutte, d'arrachage avec des protocoles. On a obtenu de très 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 bons résultats, mais en toute transparence, voilà, au bout d'un certain temps, on maintenait une certaine pression, il fallait toujours la maintenir, et il y a eu un arrêt de l'entretien. Donc on a eu un retour, là on a eu l'occasion d'y retourner, il y a quoi, on le voit régulièrement sur le site, mais on a refait des cartographies, donc il y a une espèce d'équilibre qui s'est remis en place avec quand même le maintien de certains herbiers aquatiques. Ceci dit, bah, la Jussie, voilà, on ne va pas parler des réguliations, hein, c'est hors de question, mais elle est très, voilà, elle est présente. Donc sur un autre site, on s'est posé la question, parce qu'on voit bien que par rapport à cette chaleur et ces étés chauds, il faut voir, on l'observe sur le terrain, et avec un gradient maintenant, donc
aval-amont, on voit que la Jussy, elle progresse vers l'amont. Alors après, hein, on est bien d'accord, il y a toutes les autres facteurs de dissémination de la Jussy, notamment l'homme bah, qui est au centre de la case. Le réchauffement climatique, là-dedans, ce qu'on constate, c'est que la période végétative est beaucoup plus importante. Au sud, on a même très peu d'interruptions maintenant. Il suffit qu'on soit confronté à des hivers qui soient un peu doux. Dans certaines annexes fluviales où on a beaucoup moins de perturbations hydrauliques, parce que la Jussy n'aime pas la vitesse, n'aime pas le décapage, etc. Donc aussi, d'où dans la restauration de favoriser des milieux courants dès qu'on peut, avec certaines profondeurs, etc. La période végétative, elle peut aller du mois de février quasiment jusqu'au mois de novembre. Il nous reste plus que 2 mois où c'est entre guillemets ralenti, etc. Donc ça veut dire que c'est une production qui est très 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 importante et que l'espèce s'est complètement adaptée évidemment dans ce genre de milieu en dysfonctionnement et que la chaleur est un boost énorme. Donc on s'est posé la question comment on peut restaurer des milieux quand même pour pas avoir de la monospécificité au niveau des espèces d'une espèce comme la Jussy et d'avoir des habitats qui soient plus un peu typique de ce qu'on a au bord des cours d'eau, au bord des grands fleuves, notamment sur le bras des Arméniens, on a fait un site pilote pour faire cohabiter entre guillemets la Jussy avec des espèces autochtones. Donc on a refaçonné un peu différemment donc les fonds qui étaient très très uniformes et on a travaillé avec des mégaforbiers, avec des grandes zélophytes, que ce soit des roseaux, des typhas, des grands carex. Qu'on a mis en termes de, parce qu'il y a des phénomènes de compétition évidemment qui s'opèrent dès le démarrage des opérations, la Jussy étant très 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 dynamique, très très rapide. Donc on a travaillé sur la force des végétaux et du coup on a obtenu un patchwork de milieux. On n'éradique pas la Jussy, ça c'est clair, c'est pas l'objectif, c'est une peine perdue. Par contre, on n'a pas que de la Jussy. Vous avez la photo centrale qui était en 2018. Vous avez sur la photo de gauche en 2015, voilà où on était juste après les plantations avec différents systèmes. Donc, on a un compromis. La Jussy elle est présente, mais les autres espèces typiques qu'on a mis en place, elles ont pu s'exprimer en fonction de leur hauteur. Donc, évidemment, c'est pas dans de l'optimisation de la diversité végétale, mais c'est pas que de la Jussy. Et on a des milieux qui répondent, notamment à certains habitats vis-à-vis de certaines espèces, que ce soit des oiseaux, des entomophones, au niveau de l'entomophone, etc. Donc, bon, voilà, c'est une autre approche de voir les choses, c'est qu'il faut travailler, quand on va dire, il faut faire coexister les espèces au sein d'un milieu où les problèmes sont bien posés. Autre exemple, dans le cadre de la gestion des plantes envahissantes, c'est la renouée du Japon. Donc, la renouée du Japon, dans le cadre de l'Iseron, à savoir qu'on a dû déplacer environ 120 000 mètres cubes de matériaux dans le cadre des élargissements, dans le cadre du programme GEMAPIEN. Plus de 50 à 60% des terres étaient contaminées par la renouée du Japon. Vous avez une illustration donc, en haut sur la droite, là, l'état de avant-action, à l'état initial, donc les berges étaient rive droite, rive gauche, 100% quasiment de renouée du Japon. On a mis en place donc cette renouée du Japon en fonction évidemment de son... La renouée n'aime pas 100% d'eau, donc quand on est dans des systèmes intermittents, ça lui plaît, ça peut bien lui plaire. La renouée du Japon craint aussi le très 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 sec, donc on est sur des plateformes un peu hautes, etc. Donc sur des matériaux un peu filtrants, c'est pas son habitat. Par contre, entre un niveau moyen des eaux et puis sur les berges, etc., il suffit que ce soit des matériaux fins sableux, etc., là elle est complètement dans son élément, et qui plus est avec de la chaleur, ça accroît encore son expansion. Donc c'est toujours très compliqué de mesurer de l'impact du réchauffement sur des espèces, etc., ça nécessiterait pas mal d'études, mais on le perçoit bien que ça va dans le sens de l'espèce, on va dire, envahissante, au détriment forcément des espèces autochtones qui sont qui vont avoir des trajectoires différentes. Donc on a mis en place des systèmes de traitement pour pouvoir travailler notamment en économie circulaire et de recycler les terres végétales dans le cadre de l'opération. Et après, évidemment, avec toutes les opérations de restauration, d'ingénierie écologique, de restauration de la répissive en fonction de la strate de la végétation, selon l'éloignement par rapport à l'eau. On a obtenu un très très bon résultat à l'échelle de 4 km de cours d'eau qui ont été restaurés, et que quand même, malgré tout, il ne faut pas avoir que le système il se suffit à lui-même, bon, il y a quand même un entretien, une surveillance, un accompagnement, mais qui n'est pas dans une dépense d'énergie qui est si, on va dire, incongrue que cela pour maintenir la résilience des milieux.
avoir à l'esprit que dans une configuration comme Nison, comme dans bien d'autres cours d'eau, si on travaille sur X mètres, X centaines de mètres ou de kilomètres, ben voilà, on ne va pas travailler à 100% sur tous les foyers de Renouet, notamment sur les parties amont, et que là, les photos que vous voyez sur la partie basse du cours d'eau, sur le secteur de Houlin, etc., de Sainte-Foy, l'amont, on a des sources de dissémination de la Renouet qui sont dans des zones qui sont hors projet, et que les rhizomes de Renouet circulent quand même dans ces milieux-là. Mais quand on a déjà des degrés de fermeture qui sont assez intéressants, une colonisation qui s'est qui a été impulsée, qui s'est favorisée, on arrive à maintenir un bon équilibre du système. Donc voilà, si on regarde en perspective entre Jussy et puis Renouet, je dirais que l'énergie, elle est beaucoup plus faible par la suite à dépenser pour gérer des zones qui sont comme on appelle ça, influencées par la Renouet, que sur les problématiques de la Jussy. Donc entre deux bassins de problématiques d'espèces, hein, donc le réchauffement climatique et les problématiques de hydriques, voilà des approches qui peuvent être différentes. Troisième thématique, la restauration du corridor végétal. Donc là, je le synthétise sur le Rhône et sur l'Iseron. Donc pour commencer sur l'Iseron, vous avez l'illustration. Vous avez vu bon là une des photos où on voit le Rhône, l'Iseron avant aménagement, qui était très minéral, très artificialisé. Donc là, on est dans le cadre de l'ingénierie écologique. On a pris donc c'était en 2010, on a regardé sous un angle différent, notamment ces problèmes d'ASEC qui étaient déjà connus, mais qui n'étaient pas aussi étendus que maintenant, au niveau de la sévérité des étiages, et c'est de voir comment on pouvait se rapprocher le plus de l'eau. Donc on a beaucoup travaillé avec les sols arbustifs, on a travaillé avec les espèces locales, et de voir comment on pouvait les positionner pour que l'alimentation en eau, pour que cette accessibilité en période estivale, donc on a fait des études de nappe, etc., puisse être optimisée. Donc ça nous a, on va dire, conduit dans le cadre de la restauration à favoriser favoriser un rapprochement par rapport à l'eau. Et puis bon, on avait les systèmes d'endiguement, ça c'était à des endroits où une fois que ces contraintes-là étaient posées, elles étaient inamovibles, mais d'être au plus proche de l'eau avec tout différents systèmes de comme on appelle ça, d'approche de conception technique, d'enfoncer plus profondément, notamment des boutures de saule, etc., pour qu'on ait une alimentation en eau liée à la nappe en période estivale. Parce que même si on a des ASECs, comme vous avez vu sur les photos précédentes, la nappe n'est pas très loin, et la préservation de la nappe, elle est, dans des cas de figure comme ça, elle est très importante, et ce qui amène à qu'en période estivale, même si on peut avoir 3-4 mois d'ASEC, les saules ne tombent pas, les saules ont leur place, les saules sont bien vigoureux, et les saules se développent. Donc ça, c'est dans le cadre de l'Iseron, oui, après ce que j'ai pas dit, notamment dans le cadre des actions, c'est qu'il y a aussi des actions sur la gestion de la ressource en eau au travers des réseaux, parce que malheureusement dans ces cours d'eau, c'est des fois la double, la triple peine. Il y a des gros collecteurs qui passent à proximité du lit, qui vont capter les eaux, qui vont drainer les eaux des eaux de nappe. Donc avec notamment les gestionnaires des réseaux, il y a des gros programmes de remise en état, de réhabilitation des eaux parasitaires, en fait des eaux qui circulent par ces collecteurs pour améliorer la ressource en eau. Donc ça aussi, c'est important de le signaler, parce que c'est de l'action, on va dire, qui convergent au travers des différents acteurs, et c'est ce qui permet d'essayer de mettre tout le monde autour de la table au sujet au travers d'un cours d'eau, et qu'on puisse mettre en place des actions qui soient coordonnées, même si évidemment ça prend pas mal de temps forcément. Donc dans le cadre de la restauration des annexes fluviales, on renforce la ripisylve sur les abords des Launes. Des fois des zones qui sont un peu hors travaux, des zones voilà, qui, pour la ripisylve qui est déjà le corridor végétal qui est déjà entre guillemets altéré de par certaines histoires. Et c'est vrai qu'en termes de... Là, on travaille au sud du bassin versant, sur les secteurs de Montélimar, sur Donzère, par rapport à ces périodes d'été où on a un déficit d'eau qui est très, très important, on s'est posé pas mal de questions. Alors déjà, bon là, maintenant, je pense que c'est bien dans les pratiques de travailler avec le végétal local. Hein, donc, il y a toute une approche qui consiste à travailler avec des souches, notamment à la même espèce, des souches méditerranéennes qui sont un peu plus adaptées donc au stress hydrique. Mais on s'aperçoit vite que ça prend du temps, que ça faut mettre en place des itinéraires techniques, et que dès qu'on travaille dans des milieux où on n'est pas dans des endroits où il y a du jardinage, on n'a pas une pression d'entretien tous les jours, etc., il faut certaines forces
Après, bah, qui dit végétal local avec certaines souches, certaines forces, anticipation, etc. Donc aujourd'hui, on a mis en place, à l'échelle du bassin du Rhône, pour travailler sur les opérations de restauration écologique, donc une pépinière d'espèces locales où on va pouvoir travailler, d'avoir les forces qui sont adéquates pour qu'on ait déjà un certain degré de résistance à la mise en œuvre. On fait aussi des approches par rapport aux berges et par rapport à la relation entre le Rhône, la Laune, la berge, les sédiments. On regarde de plus en plus ce qui se passe dans le sol en relation avec notamment la pluviométrie pour voir les périodes de stress hydrique dans le sol et mieux comprendre le comportement des zones qu'on restaure, soit sous forme essentiellement sous forme de plantation. Donc il y a aussi un accompagnement hydrique sur les premières années qu'il faut revoir aussi différemment. Alors il y a certaines pratiques des professionnels, des entreprises entre guillemets du paysage et puis du bon sens dans le cadre de la réalisation d'une plantation. Mais c'est comment aussi on gère ça avec une vision plus avec de meilleures connaissances sur justement cette relation pluviométrie, état hydrique des sols, capacité de rétention, savoir où on prend des risques. Si on est dans des zones sableuses, c'est pas la peine d'aller investir. Si on est dans des zones plus limoneuses, si on a des graviers qui sont donc plus limoneuses, c'est plus intéressant. Si on a des graviers qui sont relativement hauts sur des berges, ben voilà, on va subir des déboires. Donc c'est aussi d'optimiser ces éléments techniques pour qu'on puisse gérer au mieux l'énergie qu'on va apporter dans le cadre d'une opération de restauration. On a aussi abordé, on se posait des questions sur les forces, parce que les forces entre travailler avec des jeunes plants, travailler avec des arbustes, travailler avec des boutures, travailler avec des pieux, etc. On a fait déjà pas mal de manips. Et c'est de voir dans cette cadre de cette résilience, parce que c'est toujours l'enjeu est de pouvoir avoir le moins d'accompagnement par la suite, une certaine réactivité, une certaine rapidité. Donc on a travaillé avec des tailles différentes et là même très récemment sur un des sites, là sur la photo que vous voyez, le site de Cornas, on a même refait des opérations de déterrer des pieux qui ont été plantés, donc des individus qui ont très bien fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné pour voir un peu les systèmes racinaires, pour voir par rapport, bon ils étaient dans des conditions de mise en œuvre qui étaient à peu près, on va dire, égales. Donc voilà, pour voir dans les mécanismes, dans cette sensibilité des deux premières années, ce qui suit la plantation, comment on peut gérer au mieux les choses. Donc à voir que même dans ces problématiques de réchauffement, on est dans des transplantations, dans des plantations, les premières années sont ultra sensibles et on a des questionnements forcément à 10 ou 15 ou 20 ans. Bon là on travaille de plus en plus avec des peupliers noirs autochtones. Hein. Malheureusement ben, voilà, les emplacements des sols blancs sont beaucoup moins favorables. Donc il y a aussi une réflexion dans le positionnement des espèces si on se met dans des perspectives de moyen et de moyen long terme. Je tiens à préciser que dans ces réflexions-là, on n'a pas 20 ans d'expérience derrière nous. Hein. On apprend entre guillemets, au gré des actions qui se réalisent. Et voilà, ces questions sont posées et maintenant, d'où l'objet d'approfondissement sur ces relations au sol et pluviométrie. Donc voilà un autre exemple sur le réchauffement qui est direct sur le végétal, surtout quand on plante, quoi, je veux dire, pas surtout, mais quand on fait de l'ingénierie, quand on intervient dans le cadre des plantations, c'est très, très, la réponse, elle est ultra rapide. Donc, soit il y a des conditions favorables, et je dirais que l'accompagnement de l'homme, il est même mineur, il est même faible, soit ça ne se passe pas, voilà, ça part de travers, et même des fois de l'accompagnement, bah, ça sert, entre guillemets, à pas grand-chose, parce que les conditions étaient vraiment défavorables. Donc voilà un impact attendu à moyen et long terme en fonction après de la ressource en eau, de la stabilité de la nappe évidemment qui se fera ressentir sur la végétation. Donc pour conclure, hein, c'est vraiment des questions qui sont posées, des réflexions. Il y a beaucoup d'inconnus hein, ce jour. Voilà, c'est quelque chose évidemment qui est au quotidien, c'est des questions citoyennes, c'est que on parle de la résilience des écosystèmes, ça nécessite d'investir dans la recherche. Hein, donc on parle d'investir recherche, voilà, c'est pas toujours non plus évident. Et surtout le suivi des gestionnaires. Parce que rien ne vaut les approches pragmatiques de terrain, l'observation, la présence, le temps, se poser des questions. Donc ça peut paraître très, très simple, mais je pense qu'il faut prendre du recul effectivement sur les actions qu'on mène et avoir la capacité de pouvoir les suivre. Donc la relation entre la ressource en eau, la restauration des habitats, forcément elle est très très forte, hein, parce que l'habitat aquatique par définition, voilà, c'est inhérent à l'eau et que bah, les habitats aquatiques c'est peut-être un sommet de l'iceberg du réchauffement climatique, hein, c'est quelque chose qui peut s'éroder, on va dire, qui va se percevoir assez facilement, on voit au travers de l'intermittence des cours d'eau.
La résilience, quand on parle de résilience, il y a toujours une forme de résilience. Après, il faut savoir de quoi on cause en termes de biodiversité. Ça va se faire au détriment forcément d'un appauvrissement et effondrement de la biodiversité. Donc, en fonction des actions qu'on peut entreprendre, quelles qu'elles soient, la gestion ou les interventions beaucoup plus lourdes, il faut savoir évidemment pourquoi on fait. Quand on remet en eau, notamment des bras du Rhône, quand on restaure la répissive le long de l'Iseron, quand on voit le castor qui revient très rapidement le long de l'Iseron et bien d'autres espèces. Voilà, ça c'est du gain qui est direct. Voilà. Après, on peut toujours dire ah ouais, mais l'état de référence, on est assez loin des états de référence. Oui, on ne pourra pas revenir comme il y a 150 ans en arrière. Ça c'est ça aussi dans le cadre de la restauration des milieux. Il faut voir quel état on cible et de pouvoir entre guillemets préserver. Bon, c'est peut-être pas la mauvaise, c'est peut-être une mauvaise expression, mais de sauver une forme de meuble. Parce que c'est quand même formidable et en étant optimiste, c'est que cette résilience-là, il suffit des fois de pas grand-chose pour la provoquer, pour la déceler et pour la réveiller. Donc là, on voit des fois le retour de ces espèces qui ont été absentes depuis plusieurs décennies. Il y a l'énergie humaine aussi qui est en entreprendre pour limiter certains processus qui peuvent être vaines. Là, j'ai l'exemple de la justice sur la Lune de Cadrousse. Voilà, après Arménier, on a pris une autre stratégie, mais cette énergie humaine, bah, il faut la rationaliser. Et en fonction de si on se met dans des perspectives, voilà, c'est optimisé parce que globalement, avec tous les dysfonctionnements que la nature peut connaître, que les milieux peuvent connaître, bah, les sociétés humaines n'auront pas tout simplement l'énergie, la capacité à entreprendre des processus de restauration. Ce sera trop colossal. Donc, du coup, bah, ça pose sur les questionnements de la cohérence, la pérennité de certaines actions qu'il faudra peut-être se remettre en cause dans certains cas. Nous, c'est des questions qu'on a quasiment dans toutes les opérations. La manière d'aborder les choses, c'est le sujet, il est mis sur la table. Après, bon, dans l'adaptation des politiques publiques, il y a beaucoup de documents, de guides quoi, institutionnels, etc. Des fois, le réchauffement climatique, il peut aller plus vite que la musique. Donc, là aussi, bon, à voir si. Si c'est aussi dans le cadre d'action, c'est quelque chose qui doit être vraiment pleinement intégré. Là, tous les praticiens maintenant ont bien à l'esprit le réchauffement climatique, mais dans des cadres réglementaires, des fois on peut se poser la question de faire certaines actions si on sait que voilà, on n'aura pas d'eau sur du moyen et du long terme. Mais quand on dit pas d'eau quoi. Alors une autre approche aussi, on est dans le cadre de l'écologie, de la restauration des milieux. On parle du réchauffement climatique, on connaît les boucles de rétroaction avec les gaz à effet de serre, etc. Et c'est aussi de alors je sais pas si c'est pas de voir peur ou pas, mais de se poser la question sur la mise en place des démarches bas carbone de ces actions. Alors bon, moi je suis sur des opérations, je travaille sur des opérations où les degrés d'anthropisation étaient assez importants, donc ça nécessite des moyens qui sont lourds à l'échelle de d'un fleuve comme le Rhône, voire même quand on travaille sur des programmes GEMAPIEN, hein, c'est des que ce soit sous le volet EPI ou le volet EMA, des fois il y a des opérations qui sont quand même assez lourdes. Et de se poser aussi la réflexion sur tout le cycle de la restauration, mais du démarrage, c'est-à-dire pas que le carbone gris qui est lié à la mise en place de l'action, de l'amont sur le rôle de l'écosystème qui va être transformé, ça dépend de où on part évidemment, d'avoir une approche globale et de faire une évaluation coût-bénéfice. Donc ça, c'est des démarches qui sont que on se pose la question, on réfléchit, on est en train de regarder pour le mettre en œuvre et pour faire des sites pilotes et voir où on va aller. Donc et puis pour finir, évidemment dans tous ces processus-là en matière de restauration en intégrant cette thématique de réchauffement climatique, c'est les axes d'amélioration. Alors bon, il y a des choses, on va dire, voilà, la manière dont on travaillait hier n'est pas celle d'aujourd'hui sera pas celle de demain. Donc c'est toujours quelque chose qui évolue en permanence. Entre les uns les autres, on se nourrit mutuellement dans les expériences et aujourd'hui, c'est un moyen d'échanger avec tout le monde sur cette thématique-là. Donc le partage, l'humilité est une chose très très importante dans ce genre d'opération et le fait de vraiment se remettre en cause. C'est-à-dire un projet qu'on a fait, moi il y a des projets voilà, faits il y a 10-15 ans, aujourd'hui bon, on ne les aborde pas sous cette même manière, puis aujourd'hui honnêtement, même je supervise des programmes de différentes restaurations à la fois sur le Rhône mais pas que sur le Rhône, je me pose des questions en permanence au travers de ces évolutions qu'on voit apparaître quoi.
Donc, c'est d'avoir ce souci du retour d'expérience, de la capitalisation, du partage, de se reposer des questions, alors sans se faire aussi trop de nœuds dans le cerveau, hein, parce qu'il faut aussi donner du sens et de la cohérence aux choses, et il faut quand même aussi avancer, mais voilà, et sans être débordé par toutes ces questionnements et ces nombreuses inconnues qu'on a abordées aujourd'hui, ces nouveaux challenges, mais la réflexion, voilà, je vais en finir là-dessus, la réflexion, elle est plus que posée, il faut la poursuivre, il faut l'approfondir, il faut essayer d'avancer dans ce, bah, avec, dans ce sens-là, quoi. Voilà pour cette présentation, cet éclairage, ce témoignage au travers de deux exemples et de trois angles. Merci. Oula, Christophe. Je vois que j'ai complètement dérapé sur le temps. Un peu. Mais bon, ce qui est intéressant, bon, à travers ce témoignage, c'est tout le questionnement systématique qui est fait et qui s'amplifie par rapport à comment on aborderait les choses pour demain. Et voilà, donc je pense que c'était important de l'aborder sur la base d'expérience dans des contextes quand même particuliers. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il n'y avait pas de questions, j'ai essayé d'en garder, mais il n'y a pas de questions écrites. Est-ce qu'il y a des questions là qui vous viennent là maintenant par oral et auquel cas on essaye d'y répondre, Christophe essaye d'y répondre. Je vous laisse une ou deux minutes. S'il y a une ou deux questions, on les prend. Bon, je vois que ça ne se manifeste pas beaucoup, mais si, ouais, il y a Michel, mais Michel, il a toujours des questions. Sinon, en fait, Benoît, Benoît, tu es présent, on t'a récupéré. Oui, ah, je suis là. D'accord. Okay. J'ai été éjecté de... Enfin, j'ai continué ma présentation jusqu'au bout sans me rendre compte que j'avais été éjecté du webinaire. Je m'en suis rendu compte juste voilà, à la fin, une fois terminé. Mais je peux, ouais. Voilà, je peux reprendre. Désolé. Donc, bon, peut-être qu'on va enchaîner parce que comme on a un peu... Ben, du coup, on a plus beaucoup de temps si on veut laisser la place aussi à Jean-Pierre. Là, alors, il y a une question. Là. Vous n'avez pas parlé de la problématique des crues impactées par le changement climatique et des effets cascades sur la végétation rivulaire. Christophe. Exact. C'est vrai que, bon, pour que je sois très bref et synthétique sur une question comme ça, entre une approche sur le bassin versant de l'Iseron, où on a aussi posé toutes ces questions-là avec la violence des crues, les vitesses, d'avoir de la végétation qui puisse avoir cette résilience face aux crues, d'où un choix des espèces adaptées avec des systèmes racinaires, les saules arbustifs. Et dans le cadre des systèmes rhodaniens, où là on est sur des endroits où on est un peu plus écarté vis-à-vis des vitesses dans le cadre de la restauration de la répécile, et qu'on favorise les habitats pionniers qui sont soumis au processus des crues quand ça déverse, notamment au niveau des barrages, et qu'on puisse avoir de ces habitats pionniers qui sont maintenant absent depuis déjà plusieurs décennies suite à la succession des aménagements. Donc on a des stratégies, des visions, forcément quoi, des stratégies, des visions différentes en fonction des sites sur lesquels on est amené à intervenir. Ok. Donc peut-être qu'on va, je vois que Michel est en train d'écrire, on va peut-être, Benoît, tu vas peut-être essayer de reprendre et du coup peut-être accélérer, je vais te demander peut-être d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse laisser aussi à Jean-Pierre de lui laisser un petit peu le temps. Donc bon, c'est bon, on voit j'espère que tu ne seras pas éjecté. Non, je crois que j'ai pas, c'est pas banal dans le cadre d'une présentation sur l'intermittence. Alors, je crois que j'ai cru comprendre que j'avais été coupé au moment où je présentais donc cette comparaison entre finalement la fréquence, enfin les secteurs, les territoires où on a une fréquence assez élevée d'intermittence et d'intermittence assez prolongée avec la pression de prélèvement. Et j'arrivais donc et on voyait qu'il y avait une certaine voilà, une corrélation assez forte en fait entre les deux. Et là, j'arrivais à la présentation d'un travail
de chercheurs qui se sont intéressés à l'évolution du risque d'assèchement sous changement climatique. Donc, en étudiant deux scénarios de changement climatique, et ce qu'ils ont montré assez clairement, c'est qu'on va avoir une augmentation assez hétérogène du risque d'assèchement, alors plus particulièrement pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, avec des assèchements qui vont devenir plus longs, plus intenses, et qui vont se déclarer plutôt de manière générale. Donc, on voit notamment que la pourtour méditerranéen, la chaire méditerranéenne est bien touchée, comme les Pyrénées, et d'autres secteurs seront un peu moins touchés, comme les Vosges, par exemple. Alors, je concluais sur le travail de modélisation. Donc, on voit que c'est un phénomène qui est très présent, alors sur les têtes de bassin et les petits cours d'eau, notamment, dans une grande diversité de contextes climatiques, géologiques, etc. On a des gradients d'intensité des étiages, malgré tout, qu'on observe entre le nord et le sud du bassin. On a une augmentation du phénomène entre 1990 et 2019, mais de manière assez hétérogène. On voit que le phénomène s'est accru sur certains secteurs, notamment sur le nord du bassin, sur le Doubs, le Val-de-Saône. Et on voit aussi qu'on a une augmentation attendue des durées et de l'intensité des étiages à venir avec les projections de changement climatique. Alors là, je faisais une restitution sur le lien entre intermittence et communauté aquatique. Donc là, je présente un travail de Thibaud Datry qui s'est intéressé donc, à l'évolution de la richesse taxonomique pour différentes communautés aquatiques avec l'intermittence annuelle. Et on voit que globalement, l'intermittence agit comme une pression sur les communautés. C'est-à-dire qu'on a une forte diminution de la richesse taxonomique pour les différentes communautés aquatiques, notamment pour les invertébrés benthiques. Par contre, ce qu'on observe aussi, ce que les travaux de recherche ont mis en évidence, c'est qu'on a aussi une certaine diversité, une certaine spécificité de la faune benthique, notamment sur ces cours d'eau. Et que la durée de l'intermittence, elle peut avoir un effet sur la résilience de ces populations. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'eau qu'un cours d'eau est à sec qu'on peut... par exemple, continuer à prélever de l'eau sans qu'il y ait des conséquences sur la vie du cours d'eau, puisque ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, avec la durée d'ASEC, plus la durée était importante et plus on perdait de taxons. Là, on peut s'intéresser également sur la pertinence de la bioindication sur les rivières intermittentes. Pourquoi ? Parce que la plupart des outils pour la bioindication ont été développés pour les rivières pérennes. Et donc, là, je présente simplement les conclusions du projet BioInter, qui a été un projet qui a été mené par l'INRAE et qui s'est intéressé notamment à la pertinence de l'IBGEN et l'I2MD comme indicateurs dans un contexte d'intermittence, comme bioindicateurs dans un contexte d'intermittence. Donc, les travaux ont montré que l'IBGEN et l'I2MD étaient sensibles à l'intermittence. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré malgré tout qu'à partir d'expertises locales, de précautions sur les dates les outils utilisés, précautions sur les dates, ça va être par exemple de venir avant la sec, plutôt au printemps, comme préconisé dans la note de 2014 du SDAGE, il est envisageable de déterminer l'état écologique pour des cours d'eau faiblement intermittents et jusqu'à un seuil de permanence d'écoulement d'environ 60%. Alors, on voit bien qu'on va avoir de plus en plus de cours d'eau intermittents, sans doute, et fortement intermittents. Ça nous dit, malgré tout, qu'il va falloir réfléchir à des approches alternatives pour évoluer l'état écologique de ces cours d'eau fortement intermittents. Là, on s'est aussi posé la question sur la perception de ces cours d'eau intermittents dans un cadre de gestion. Je restitue quelques conclusions d'un projet de la zone atelier du bassin du Rhône, IFLOINT, qui s'est intéressé donc à la perception des cours d'eau intermittents sur le secteur de l'Albarine. C'est l'équipe de Marie-Lise Cotet qui a mené ces travaux. L'objectif, c'était d'interroger les représentations et les valeurs associées aux cours d'eau intermittents par différents types d'acteurs et d'identifier les leviers et les freins à la mise en œuvre de plans de gestion, tenant compte de cette spécificité de fonctionnement. La méthode, ça a été de mener des entretiens semi-directifs et également de la cartographie mentale. La population enquêtée, c'était essentiellement des gestionnaires, des élus, des pêcheurs et des riverains. Alors, l'Albarine, vous le voyez ici, avec une carte du bassin versant, donc c'est dans l'Ain, et vous avez sur l'Albarine tout le tronçon amont
qui s'assèchent globalement chaque année, de manière plus ou moins intense. Voilà. Alors, les résultats, les secteurs intermittents, ils sont globalement dévalorisés, perçus comme peu esthétiques, inintéressants, peu propices aux loisirs comme la pêche. Voilà. Un élu disait, elle sèche, ça a moins d'attrait. C'est une rivière qui est moche, qui est sèche pendant tout l'été. C'est une partie, la partie à sec n'est pas très intéressante. Des fois, il y a de l'eau, mais la plupart du temps, c'est un banc de gravier. Ou alors, véritablement, là, c'est que la rivière est morte, c'est tout. Voilà, témoignage d'un élu. Et quand on regarde au niveau de la cartographie les secteurs qui sont les plus dépréciés, ben, on retrouve ce tronçon aval qui s'assèche l'été. Et au contraire, les secteurs les plus appréciés sur ce cours d'eau sont les secteurs pérennes. Alors, c'est un fonctionnement qui attise la curiosité, malgré tout. C'est quelque chose de mythique, un peu l'albarine. Il n'y a rien. Moi, avec ma fille, ma petite fille, on peut se promener, on va voir, tiens, il n'y a pas d'eau, et puis vous repassez une semaine après, s'il a plu sur le plateau, vous tombez dedans, ça vous emmène, c'est le basculement. L'intermittence, elle est perçue sur le territoire comme naturelle, mais en évolution. La période d'assec connaît un décalage, plutôt ou plus tard dans l'année, selon les enquêtés. Les conséquences potentielles mentionnées, elles sont multiples. Sur l'eau potable, c'est ce que mentionnent les élus et les gestionnaires. Sur les loisirs, c'est mentionné par les riverains et les pêcheurs. Et sur la biodiversité. Et puis, elles peuvent être multiscalaires, sur par exemple le refroidissement des centrales nucléaires à Laval. Alors, voilà, la question qui était posée, c'était aussi comment mieux protéger ces cours d'eau qui peuvent être dévalorisés. Et on voit bien que dans le travail de cartographie, des cours d'eau à l'échelle départementale qui a été demandé par le ministère, les cours d'eau qui sont le plus déclassés, d'après les retours qu'on a, sont sur le critère de l'intermittence la plupart du temps. Donc il y a une importance à mieux communiquer autour de ces cours d'eau auprès des acteurs du territoire, parce qu'on voit donc que ces secteurs intermittents sont plutôt perçus comme inesthétiques et impropres aux loisirs. Malgré tout, il y a une certaine familiarité, une certaine curiosité pour le cours d'eau du fait de l'intermittence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le contexte de changement global, de changement climatique, il est très présent dans les représentations. C'est-à-dire dans les entretiens, très fréquemment, le changement climatique est apparu avant même que, il soit mentionné par la personne qui menait l'entretien. Donc, il y a un besoin de partager les connaissances pour montrer les implications écologiques de la variabilité hydrologique. Les milieux intermittents sont des milieux qui sont vivants, qui ont leurs spécificités et leurs valeurs. Ce sont des milieux qui sont fragiles, qui dépendent du fonctionnement global de la rivière, de pouvoir laisser préserver l'accès à des secteurs qui vont jouer le rôle de zone refuge. Et le changement climatique, il apparaît comme un levier de mobilisation assez puissant. Alors, le projet de SDAGE 2022-2027, lorsqu'on regarde l'orientation fondamentale zéro, engage à s'adapter aux effets du changement climatique avec une disposition qui engage à agir plus vite et plus fort. Quand on regarde le tableau qui liste toutes les dispositions du SDAGE qui concourent à l'adaptation au changement climatique, on va retrouver toutes les dispositions sur l'hydromorphologie des milieux aquatiques, sur les zones humides et sur l'atteinte et la préservation de l'équilibre quantitatif, qui est un enjeu fondamental aussi pour ces cours d'eau. Alors, l'orientation fondamentale 6, donc, elle engage à préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides. Je remets quelques extraits. Il y a la préservation et la restauration des espaces de bon fonctionnement, la préservation des réservoirs biologiques et le renforcement de leur rôle à l'échelle des bassins versants, des rôles d'essaimage qui peut permettre donc une recolonisation plus rapide des secteurs qui auraient pu connaître des assecs très prolongés. L'importance de la restauration de la continuité écologique, de décloisonner les milieux pour permettre l'accès aux zones refuges. La restauration des milieux aquatiques qui ciblent donc les actions les plus efficaces en intégrant les dimensions économiques et sociologiques, et puis donc l'orientation fondamentale 7 sur l'atteinte et la préservation de l'équilibre quantitatif qui reste donc un enjeu majeur. Alors je présente simplement un exemple de restauration, celui du bassin de la Cloche. Le contexte, on est dans les années 50, 80% des 400 km de linéaire de cours d'eau de la forêt de Chaux ont été rectifiés. Donc là, vous voyez, on n'est pas très loin de Besançon au niveau de la forêt de Chaux. Qu'est-ce qui a été observé suite à ces rectifications? Des assecs plus nombreux, avec une étendue spatiale qui a augmenté. La clauge, qui était pérenne, a vu 7 km de tronçons qui sont devenus intermittents. Il y a eu également une incision assez prononcée. Et du point de vue biologique, on a observé, par exemple, une diminution du nombre de taxons d'éphémères, plécoptères et trichoptères,
de 19 en 1970 à 4 en 2006. Donc, une diminution assez forte. Voilà. Donc, la restauration qui a été menée, il y a eu un projet pilote qui a été mené en 2005, 2006, 2007. Puis ensuite, une restauration de plus grande ampleur qui a été menée. Et depuis 2007, ce sont au total 45 km de cours d'eau sur 32 affluents de la Clauche qui ont été reméandrés. Là, vous avez un exemple avant et après restauration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une profondeur de données sur les suivis qui ont été réalisés, qui est assez importante. On a plus de 10 ans de suivi sur un certain nombre de paramètres, avec donc des secteurs témoins. Donc là, vous avez un secteur qui, lui, n'a pas été restauré. Et puis, donc, voilà, des secteurs restaurés qui ont fait l'objet de suivi. Et ce qu'on constate, donc après plus de 10 ans de suivi, c'est qu'on a un exhaussement du niveau de la nappe d'à peu près 20 cm et une réduction des périodes d'assec de 3 semaines en moyenne. Le nombre de PT a doublé entre 2006 et 2018 sur les secteurs pilotes. Et puis, sur les secteurs qui ont fait l'objet de restaurations un peu plus récentes, on voit qu'on gagne 2 à 3 espèces par an de plus après les travaux. Donc, les suivis sont réalisés par le bureau d'études Téléos, qui, voilà, dont j'extrais là les résultats. Alors, pour conclure, donc, on voit que le phénomène d'intermittence, il est présent sur l'ensemble du bassin, mais c'est sur l'ensemble du territoire français qu'il est présent. C'est loin d'être un atypisme. Il va probablement gagner en ampleur et s'intensifier avec le changement climatique. La principale stratégie d'adaptation, telle qu'elle est évoquée dans le plan d'adaptation au changement climatique de 2014, elle consiste à augmenter la résilience des écosystèmes aquatiques en redonnant au milieu leur fonctionnalité. Il apparaît essentiel de continuer à restaurer les habitats, voilà, de décloisonner les milieux, de restaurer la continuité pour permettre l'accès aux zones refuges, de préserver et de restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, de veiller à un meilleur partage de la ressource. Le changement climatique et ses conséquences anticipées, elles doivent être intégrées dans les études, avec bien sûr une analyse au cas par cas et un besoin de contextualisation. Voilà, alors j'espère que je n'ai pas été coupé, que je suis encore avec vous. Non, tu n'as pas été coupé, Benoît, cette fois-ci. Très bien. et on a vu, alors je vois les éléments. Je regardais s'il y avait des questions, il y a plus des contributions que chacun pourra lire. Michel a fait quelques contributions sur l'intérêt et la richesse de la biodiversité, mais tu en as parlé sur ces cours d'eau intermittents. Ce que je trouvais juste intéressant comme notion que tu as abordée, c'est par rapport aux enquêtes et à la perception. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on se repose la question de savoir comment on fera ou comment on ferait tel ou tel aménagement dans le futur par rapport à des contextes différents. C'est que si on se retrouve avec des contextes qui sont plus ou moins pas bien compris parce que c'est devenu des assecs, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de se dire, emporté par un certain nombre aussi de pressions diverses et variées, que ça ne vaut pas la peine d'investir sur des problématiques de restauration de milieu parce qu'en fait, la rivière, ben, finalement, elle ne coule plus. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Et ton dernier exemple montre bien que si on travaille intelligemment, notamment pour remettre en continuité avec la nappe, on peut regagner quand même énormément de gains à la fois de biodiversité puis de fonctionnement plus général des milieux. C'est un des points que je relève qui est un peu nouveau, c'est-à-dire la perception sociale peut être dangereuse aussi quand on va se projeter dans le futur par rapport à des cours d'eau qui deviendraient des assecs permanents avec du coup, une sélection de cours d'eau qu'on abandonnerait. Il ne faut pas non plus tomber dans cet excès-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a... Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Puis de toute façon, le temps ça avance. Je ne sais pas s'il y a des manifestations orales ou on continue, on enchaîne. Et puis s'il y a un peu de temps à la fin, ben j'espère qu'il y aura quelques questionnements. Jean-Pierre, on te laisse la parole, du coup. Ok, merci. J'en profite là le temps de lancer ma présentation, en espérant que la technique suive. Je pose une question à Benoît. Est-ce que dans la modélisation qui a été faite sur l'intermittence,
Il y a des approches de modélisation dans l'espace à l'échelle de bassins versants, voilà, pouvoir repérer des sites voilà, qui seront intermittents à l'avenir. Non, enfin, disons que la validité de la modélisation qui a été faite, elle est vraiment, elle s'exprime à l'échelle régionale. Après, on a, enfin, là où on a des stations ondes sur les tronçons qui font l'objet de, voilà, sur lesquels on a ces stations, effectivement, on peut aller un petit peu plus loin, mais sinon, ça reste une approche régionale et il faudrait une modélisation hydrologique un peu plus fine voilà, pour pouvoir être plus précis sur l'ensemble d'un bassin versant, par exemple. Ça a été fait sur certains secteurs comme le Calavon, par exemple, c'est un bel exemple. Mais voilà, pas avec l'approche qui a été utilisée là. Ok. Alors, autre question, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Alors, je vais essayer de faire apparaître un pointeur. Le pointeur fonctionne aussi? C'est bon. Oui, donc c'est merveilleux. Allez, ben, donc je vais enchaîner, moi, sur des exemples locaux. Donc, oui, Jean-Pierre Faure, un directeur technique de la Fédération de pêche du Rhône et de la métropole de Lyon. Donc, on va essayer de parler de ces effets de la restauration de cours d'eau et, ben, vu dans le cadre d'un changement climatique, effets qui sont parfois compliqués à voir. Et donc, sous l'angle piscicole, on va essayer de montrer quelques cas. Alors, je commencerai par des petits cours d'eau, voilà, rivière à truite, comme on a assez couramment chez nous, dont l'Iseron. Et puis, je terminerai par un exemple sur le Rhône. Pour le coup, voilà, on reviendra sur des sites qui ressemblent à ce que Christophe nous a présenté tout à l'heure. Alors, je commence par le contexte climatique, hein. Vous voyez sur ce graphique un demi-siècle de débit critique dans nos rivières. Donc là, on est sur les stations hydrométriques de l'Iseron. Donc voilà, de 1970 à aujourd'hui, les débits des 30 jours les plus secs, qui sont finalement le filtre voilà, à travers lequel doit passer la vie aquatique chaque été, et notamment chez les poissons, c'est particulièrement significatif, puisque les quantités de poissons sont souvent corrélées à ces débits les plus secs des 30 jours. Alors, trois périodes hein, qui se dégagent au cours de ces 50 dernières années. On a eu 3 années, par exemple, très sèches à la fin des années 80, début 90. Ensuite, on a eu l'enchaînement début des années 2000, voilà, 2003, 4, 5, qui a été très dur. Et puis là, on est sur une nouvelle période donc, qui est du jamais vu hein, depuis 2015. 15, 16, 17, 18, là, le graphique s'arrête là, mais 19 et 20 ont été, chez nous en tout cas, absolument, voilà, ont atteint des niveaux assez inédits. Donc voilà, 2018, par exemple, c'était une sécheresse de fréquence de retour 50 ans sur ces bassins. Et puis, inversement, on a eu des périodes très favorables, donc retenez simplement voilà, celle-ci dont Benoît avait parlé avant d'être coupé. Les années 2013-2014 avaient connu des débits très, très soutenus. Et donc sur nos poissons, mais ça se connaît, c'est des choses qui sont très structurantes pour les populations et notamment pour la truite. Alors que l'on suit dans notre département depuis pas mal d'années, voilà, 16 ans là, pour certaines stations, donc on a 40 sites qu'on suit dans notre département, donc c'est tous les petits points que vous pouvez voir là, des petits ruisseaux de 2-3 mètres de large maximum, sur lesquels on va faire des inventaires par pêche électrique régulièrement. Et sur 7 de ces petits cours d'eau, donc différents travaux de restauration ont eu lieu, que ce soit des suppressions de seuils, de retenues collinaires, de la replantation de ripisylves. Et donc on essaye de voir un petit peu ce que deviennent ces secteurs. En fonction des années, en fonction du contexte climatique, on va voir que les choses sont, enfin, les réponses en tout cas des populations de poissons sont assez variables. Alors, donc là notamment, vous avez l'évolution alors en haut des biomasses de truites, donc de 2004 à 2020. Et puis là, c'est la densité, donc simplement le nombre d'individus qu'on retrouve sur nos stations, idem de 2004 à gauche à 2020 à droite. En bleu, vous avez les sites qui ont fait l'objet de travaux.
et en rouge, vous avez les sites qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de restauration. La période de travaux, majoritairement, elle s'est déroulée entre 2008 et 2012, que vous avez là. Et ce qu'on voit, c'est que, autant pour la biomasse d'ailleurs que pour la densité, on avait les sites qui, avant d'être restaurés, étaient globalement inférieurs. Donc voilà, c'était des sites assez dégradés, hein, qui avaient des biomasses et des densités qui étaient inférieures à notre jeu de données témoin, en quelque sorte. Et on voit qu'après la période de travaux, mais c'est l'inverse qui se produit, on a la courbe bleue qui repasse au-dessus, même assez nettement, sur les années sur lesquelles, voilà, qui ont suivi les étés très favorables, donc très pluvieux, bien arrosés, bien favorables aux poissons. Et puis par contre, on voit que sur les années, les dernières années, l'écart se resserre à nouveau. Et voilà, une année comme 2019, on n'a pratiquement pas d'écart entre les deux. Alors tout de suite, on pourrait avoir les esprits chagrins, hein, qui nous diraient « bah oui, bah, du coup, ça ne sert à rien les opérations de restauration qui ont été menées ». Alors, à l'échelle stationnelle, effectivement, ces effets sont très variables dans le temps. Mais là, on est simplement sur nos stations de pêche électrique, sur un cours d'eau. Et il ne faut pas se mettre d'œillères, mais il faut regarder ce qui se passe à plus large échelle, et notamment sur le reste du bassin versant. Donc là, pour illustrer ça, on va aller à nouveau sur ce bassin versant de l'Iseron, donc qui est un petit peu un bassin modèle, hein, pour ce qui est de la restauration. Donc voilà, vous avez là un petit exemple de l'Iseron dans sa partie amont, qui est plutôt préservée, rurale. Donc on a beaucoup bossé là aussi sur la truite, hein, c'est un cours d'eau à truite typique. Et puis la partie aval dont Christophe parlait tout à l'heure, qui était quelque chose de très urbain, beaucoup moins intéressant. Alors là vous avez une carte de l'ensemble du bassin, et chaque point noir représentait un obstacle à l'écoulement, donc en général des petits seuils, des buses, des passages routiers. Chaque point noir, voilà, plus ou moins gros, représentait un obstacle plus ou moins haut. Et donc entre 2006 et aujourd'hui, pratiquement tous les obstacles ont été supprimés. Donc le syndicat de rivière a été très actif, on a eu une bonne synergie entre les acteurs. Donc là, après travaux, vous avez pratiquement tout l'axe principal qui a été décloisonné. Aujourd'hui, un seuil en moins encore, et puis le dernier va être supprimé très bientôt. En tout cas, il est en cours de suppression. Alors sur ce bassin, on mène des pêches électriques, nous, de suivi depuis pas mal d'années. Et puis en parallèle de ça, on a aussi mené des études génétiques sur les truites, donc en 2006, 2014, 2018, pour voir ce qui se passait, cette fois-ci, vraiment à l'intérieur de l'espèce. On va voir quelques exemples assez parlants. Alors, cette espèce de figure d'art moderne là, que vous avez sous les yeux, ça représente le génotype. Donc voilà, vous avez votre bassin de l'Iseron, hein, schématique, de la source ici jusqu'au Rhône par ici, le principal affluent, là, le ruisseau de Charbonnières. Et vous avez donc chaque site, là, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est des stations sur lesquelles on a fait notre échantillonnage. On a prélevé des poissons, on a fait les analyses génétiques dessus. Et cette mosaïque de couleurs, ça représente la mosaïque de gènes, la diversité génétique de ces populations. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des mosaïques qui étaient beaucoup plus riches en aval, donc là plutôt en partie médiane, qu'en amont, où là on avait des populations très cloisonnées par ces obstacles. On en avait deux obstacles par kilomètre en moyenne, donc des populations très fragmentées, et une diversité génétique qui se réduisait beaucoup sur l'amont, et pas d'échange en tout cas entre les sites. Donc après tous ces travaux de décloisonnement, en 2006, si l'ordinateur veut suivre, voilà, des petites populations en 2006 génétiquement bien, bien isolées, et en 2014, après une première vague de travaux, donc là, vous avez les nouveaux génotypes qui s'affichent, et bien on voit qu'on a une homogénéisation et la diversité qui se restaure, notamment là sur un petit affluent qui a été reconnecté au cours principal. On a des choses intéressantes. Sur la partie amont, toujours pas de gain, ça restait cloisonné par rapport au reste. Et puis là, on a le cas d'un petit cours d'eau qui, en 2006, n'était pas très diversifié.
et qui en 2014 s'est retrouvé encore plus homogène qu'il ne l'était en 2006. Et ce, sous l'effet de plusieurs pollutions qui sont arrivées. Alors, en 2006, le cours d'eau a été passé à la soude par un industriel local. En 2011, il a été passé au chlore. Donc bon, voilà, il en a subi. Et bon, pour l'anecdote, en 2015, il y a aussi l'industriel qui a ramené son grain de sel. Grain de sel, façon de parler, hein, c'était 15 tonnes. Voilà, un cours d'eau qui était isolé et qui a subi donc, non seulement une réduction de l'abondance de ses populations, mais aussi, c'est un peu ce qu'on appelle la double peine, c'est une réduction de sa diversité génétique. Donc ça, c'est important. C'est des choses qui ne sont pas visibles. C'est des choses qu'on ne peut pas voir aussi simplement. Mais les analyses le révèlent très bien. Et cette capacité, voilà, cette diversité génétique, c'est aussi le support. C'est une capacité, ça reflète un peu la capacité à accepter des variabilités de l'environnement, à faire face à des pathologies, à faire face à des situations différentes. Donc plus une population va avoir de la diversité génétique, plus elle va être capable, en tout cas, de résister à du changement, à des modifications. Alors, la dernière analyse en 2018, je vais passer assez vite. En gros, on voit que, après des nouveaux travaux, on a continué à restaurer cette diversité vers l'amont du cours d'eau. Donc, on a cette fois-ci plus d'homogénéité. L'amont commence à recevoir des poissons de l'aval, donc ça, on le voit après sur nos mosaïques. Et puis, autre chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que les secteurs de l'affluent du ruisseau de Charbonnière, qui étaient relativement identiques en 2014, mais aujourd'hui commencent à se distinguer, alors qu'on n'a plus vraiment d'obstacles bloquants définitivement. Mais par contre, les 5 dernières années ayant été compliquées sur le plan hydrologique, on se demande si ce n'est pas des effets de pollution chimique, un bouchon chimique qui empêcherait les poissons de circuler, en tout cas qui les freine, ou un bouchon d'ordre un peu hydrologique, voilà, manque de débit, qualité d'eau affaiblie. Mais on a des scénarios d'isolement qui tendent à se mettre en place. Donc voilà, ça laisse encore quelques questions. Alors ça, c'était pour cet aspect génétique. Voilà, nos travaux ont amené aussi du brassage génétique, ont restauré de la diversité. Et puis aussi, on a suivi donc la dynamique de population, donc l'abondance de nos truites sur le bassin de Lison. Alors, là, sur ce graphe, vous avez la biomasse de truites qui vous est présentée en fonction de la distance à la source. Donc là, on est sur les sources de l'Iseron. Ici, on se rapproche du Rhône. Alors, en 2003-2005, on avait des niveaux de biomasse qui étaient relativement bas. Qu'on soit en amont du bassin ou qu'on soit dans la zone médiane, bon, en aval, il y avait presque plus rien, vu le degré d'urbanisation. Et ce qui est intéressant, donc, après les premiers grands travaux et après des périodes pluvieuses très favorables, on voit que ce niveau de biomasse a très nettement augmenté sur la partie amont et sur la zone médiane de l'Iseron. Et bon, sur la partie aval, c'était un petit peu mieux, mais quand même, le contexte d'habitat était vraiment très mauvais. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que après les sécheresses 2015, 16, 17, et puis on a fait l'actualisation aussi l'année dernière, là en 2020, on voit à peu près la même chose, c'est que la biomasse de truites se maintient à des hauts niveaux sur la partie amont du BV de l'Iseron. Elle diminue et elle rejoint à peu près les niveaux qui étaient celles de l'Iseron dans la zone médiane aval. Mais on conserve vraiment, alors que les conditions hydrologiques ont été encore plus défavorables en termes de débit, en termes de température, on conserve des choses intéressantes. Alors chez la truite, faut savoir que c'est un poisson qui a tendance à migrer quand l'eau se réchauffe. Les poissons ont tendance à migrer pour aller trouver des zones refuges plus fraîches. Bon, ben voilà, comme nous, on va se mettre à l'abri dans un bar en pleine canicule, les poissons, ils n'ont pas d'autre choix que de remonter vers des zones plus fraîches. Et donc, c'est probablement ce qui se passe ici, maintenant que tout lac s'est libéré. Et les populations peuvent se maintenir sur des sites un petit peu plus accessibles et ils traversent mieux ces conditions-là. Ce qui fait qu'au bilan, après ces zones de travaux et malgré les sécheresses, on se retrouve avec des biomasses qui sont une fois et demie plus fortes que celles qu'on avait en 2006.
Et malgré, voilà, si on regarde notre réseau de suivi témoin, à la date des inventaires sur l'Iseron, en 2018 et 2020, on a des niveaux, en tout cas au niveau départemental, qui sont au plus bas. Donc voilà, nos réseaux témoins nous disent bien que les conditions climatiques sont drastiques et très contraignantes et ont un impact lourd sur les populations de truites au niveau du département, mais sur l'Iseron, en tout cas, elles résistent beaucoup mieux. Allez, autre exemple, on va passer maintenant sur le bassin versant du Garon, c'est un voisin de l'Iseron, hein, pareil, un affluent du Rhône, où là aussi, on a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc, des populations de poissons qui ont été suivies aussi sous monitoring, hein, on a eu pas mal de campagnes entre 1998 et 2019. Et donc, un contexte idem avec pas mal de travaux, donc un bassin qui a été décloisonné, beaucoup, notamment voilà, sur la branche du Garon qui est tout en haut par ici, alors que la partie Mornantais que vous avez là n'a pas fait l'objet en tout cas de programmes de restauration. Donc les restaurations, hein, je passe vite pour vous illustrer le cours d'eau, les ouvrages qui étaient concernés, donc des vieux seuils, des... Voilà, ça a pu être les travaux soit des passes à poissons, soit des effacements purs et simples. Donc, en parallèle, un travail de fond sur l'assainissement, oui, les communes sont engagées également, hein, dans une démarche zéro pesticide. Depuis, voilà, entre 2013 et 2017, on a pas mal de communes qui se sont engagées. Donc des petites modifs qui peuvent changer la donne. Alors, qualité des peuplements de poissons, donc là ce que je vais vous présenter, c'est, alors certains d'entre vous doivent le connaître, donc c'est vu au travers de l'indice poisson. Donc on compare les résultats des pêches électriques à la composition théorique, voilà, du peuplement de poissons qu'on devrait attendre sur nos sites. Et donc ça, c'est fonction de la sensibilité, de l'abondance des différentes espèces. Donc le but, hein, donner une note de qualité, d'excellent à très mauvais aux stations. Donc voilà, un indice normalisé. Les exemples d'espèces sensibles du bassin, bon, ben, la truite, voilà, c'est une espèce un petit peu repère. Et puis les espèces tolérantes, comme le chevesne, la loge franche. Alors, les résultats, un extrait de quelques résultats. Donc vous avez ici en pourcentage toutes les stations, voilà, en 2006 par exemple, on avait pratiquement la moitié des stations qui étaient de très mauvaise qualité. Les stations de bonne qualité étaient très rares, même la qualité moyenne était faible. Et on voit qu'entre 2006, 2013, 2015, la qualité s'est nettement améliorée. Inversement, entre 2015 et 2019, mais on a une nette dégradation de nos peuplements de poissons. Alors, si la meilleure qualité était sur la partie amont du bassin, hein, la partie du Garon amont, la plus mauvaise, elle était sur le Mornantais. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'entre 2006 et 2019, donc voilà, qui sont 2006, on est juste après les épisodes climatiques 3, 4, 5, donc dans des conditions très contraignantes, un petit peu équivalentes à celles qu'on a retrouvées en 2019. Eh bien, on voit que sur un jeu, enfin en tout cas les stations qui étaient de meilleure qualité, on a malgré tout une amélioration de ces sites-là entre ces deux voilà, conditions. Et par contre, on a une dégradation, voilà, du quart des stations qui étaient déjà les plus mauvaises à l'origine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'air de constater, nous, sur à peu près tous les bassins que l'on suit. Et par exemple, si on revient sur notre réseau de suivi des têtes de bassins du Rhône, qu'on utilise aussi notre indice poisson, et on voit que, grosso modo, les stations de bonne qualité se maintiennent à peu près, même si voilà, on a des réductions d'abondance, etc., mais les espèces se maintiennent. Et par contre, les stations qui étaient déjà de mauvaise qualité, eh bien, c'est celles qui souffrent le plus. Donc voilà, on va plutôt vers cette espèce de tendance à la dégradation de ce qui était forte, de ce qui était déjà de mauvaise qualité, et un maintien tant bien que mal de ce qui était de bonne qualité. Alors sur le Garon, c'est vraiment très, très intéressant parce que on a eu voilà, la partie amont du Garon sur laquelle on voit qu'il y a eu un maintien, maintien c'est les petits carrés, maintien de la qualité dans le temps, voire amélioration, c'est les petits triangles verts.
Et à contrario, sur le Mornantais, vous avez plutôt des dégradations, voire des dégradations très nettes. Et si on revient, si on fait le lien avec le programme de travaux qui avait été mené sur ce bassin, donc toute la partie amont du Garon avait été décloisonnée, hein, avec des suppressions d'ouvrages, tout ce qui était bloquant. Et la partie amont du Mornantais, elle, n'avait pas fait l'objet de travaux. Et sur ce site, sur ces petits cours d'eau, on a un seuil à peu près tous les 200-300 mètres de cet acabit, donc des obstacles bloquants définitivement, hein, 1,50 m, 2 mètres, qui s'enchaînent. Et si on regarde les populations de truites à nouveau sur ces deux bassins, donc là, vous avez les biomasses de truites du Garon, ici en bleu, et du Mornantais ici en rouge, mais on voit que après les périodes donc de canicule 2003-4-5, en 2006, on a des populations qui étaient dans un état quasi nul, voire inexistante sur le Mornantais, un peu affaibli sur le Garon, qu'après les épisodes pluvieuses des étés 2013-14, et bien en 2015, à la fois sur le Garon et le Mornantais, on a un rebond, même si on se situe à un niveau un peu plus faible sur le Mornantais. Et après les grosses sécheresses des dernières années, la population du Mornantais retombe vraiment à néant, alors que celle du Garon se maintient. Globalement, ça se maintient bien. Donc voilà, c'est intéressant. On voit là aussi, semble-t-il en tout cas, une meilleure résistance à ces extrêmes climatiques des secteurs qui ont été restaurés et décloisonnés. Alors un petit point quand même, on a vu que sur le Mornantais, là, les peuplements de poissons étaient vraiment anéantis. Cela dit, il se trouve qu'il y a un chercheur de l'Université de Lyon qui habite dans le secteur et qui a mené des prélèvements d'invertébrés sur ce cours d'eau depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui avec ses étudiants. Et ce que l'on voit, donc là c'est une représentation un peu schématique de l'évolution de la qualité de ces peuplements d'invertébrés aquatiques. Concrètement, on voit plutôt une tendance à l'amélioration sur le bassin du Mornantais, avec une première phase des années 90 au début 2000 où on voit quelque chose un petit peu en dents de scie, mais qui s'améliore. De 2005 à 2014, là encore une amélioration qui se poursuit de manière un petit peu plus progressive et stable. Et puis une dernière partie, là, les dernières années, malgré le contexte climatique, les populations d'invertébrés sont meilleures et notamment on retrouve des espèces beaucoup plus sensibles à la qualité de l'eau. Donc là, on peut éventuellement faire le lien avec tout ce qui a pu décououler de ces campagnes pour essayer d'éviter l'usage de pesticides dans les villes-villages attenants, et puis le travail de fond, en tout cas, sur la qualité de l'eau. Donc voilà, tout n'est pas acheté, tout n'est pas mort dans ce bassin. Et genre, une petite conclusion sur cet aspect du Mornantais. Donc voilà, l'importance de la restauration des milieux, et c'est vital face à la rapidité du changement qu'on observe. L'importance d'utiliser des indicateurs différents, de regarder avec plusieurs instruments pour avoir une bonne vision précise, nuancée de l'état des milieux et de l'effet des travaux qu'on mène. Et puis cette qualité la qualité de nos cours d'eau doit vraiment être suivie sur le long terme pour améliorer et orienter cette gestion. Donc la continuité, hein, ça reste quelque chose d'essentiel sur ces cours d'eau, ces petits cours d'eau, pour augmenter cette résilience post-traumatique, que ce soit pour des raisons de sécheresse, de canicule, mais aussi de pollution, comme on l'a vu là avec le cas du RIB. Et le changement climatique, oui, il perturbe bien l'évaluation de la restauration, qui est déjà compliquée à la base. Et donc, on a vraiment besoin d'utiliser cette panoplie d'outils pour bien évaluer tout ce qu'on fait, qu'on regarde à large échelle, avec un panorama à l'échelle d'un bassin versant, ou qu'on descende à l'échelle des stations, ou qu'on descende même au niveau génétique des populations. Il faut vraiment regarder à tous les niveaux pour bien comprendre l'importance en tout cas de ce que l'on fait et l'impact de ce que l'on fait, et pouvoir se remettre en question quelquefois. Voilà, alors un mot quand même, je pouvais pas ne pas revenir sur l'été 2020 là, qu'on a traversé nous dans le département du Rhône. Les débits de cet été ont été vraiment à des niveaux records.
Et donc tout à l'heure, je vous présentais, hein, je commençais par vous présenter là, l'évolution des débits des 30 jours les plus secs. Et bien ces fameux débits, les records historiques ont été pulvérisés. Donc là, vous avez un exemple hein, sur le Rhin sans ample pluie, qui l'était à un débit moyen autour de 120 litres seconde. En 76, et 2003, on était à 22 ou 17 litres seconde. En 2020, on est passé à 6 litres seconde. Donc là, l'impact du changement climatique, il est clair, il est net et il est majeur. Et concrètement, ça s'est traduit sur de nombreux bassins versants de chez nous par des assecs jamais vus encore sur de nombreux kilomètres de cours d'eau. Là, par exemple, vous avez un petit bassin qui est pas loin du bassin du Garon sur lequel on avait des programmes de travaux prévus. Et des projets qui, en tout cas, perdent totalement leur intérêt dans le long terme, puisque ces conditions-là sont censées devenir la norme. Alors autant tout n'est pas à abandonner et tout n'est pas acheté sur ces bassins, hein. Benoît a très bien présenté l'intérêt des cours d'eau intermittents. On peut toujours travailler, voilà, à effacer des retenues, à essayer d'améliorer la gestion hydrologique notamment. Pour autant, on doit aussi faire le deuil de certaines actions. On avait par exemple ici un projet de réintroduire une souche autochtone de truite sur ce secteur précis. Et donc là, bah, clairement, non, c'est plus du tout pertinent. Et il faut revisiter, il faut re-questionner certains programmes, notamment de restauration de la continuité, qui était également prévu ici. Donc il faut bien intégrer ça. Tout n'est pas forcément maintenant pertinent quand on voit l'ampleur de l'impact. Là, c'est des kilomètres et des kilomètres sans la moindre poche d'eau résiduelle. Donc voilà. Allez, je termine avec un dernier exemple qui est le suivi des temps voilà, qui étaient des annexes du Rhône ici. Voilà, des étangs de 3-4 hectares, des milieux très peu profonds, hein, moins d'un mètre en général. Là, vous avez un petit détail, des roselières, etc. Donc, on mène sur ces étangs des pêches, on les suit hein, depuis 2010. Alors, pour plusieurs raisons, donc, ces étangs étaient déconnectés du Rhône jusqu'à 2009, je crois. Donc, très pauvres, la faune piscicole était quasi inexistante là-dedans. Donc, suite à la reconnexion, ben là, vous avez le nombre d'individus par point. Voilà, c'est des pêches par point. Plus la barre est haute, plus il y a de poissons. Donc, la reconnexion avait ramené un petit peu de vie au sein de ces étangs. Malgré tout, ça restait relativement faible par rapport à ce qu'on pensait être le potentiel du milieu. Et puis, un petit seuil de calage avait permis d'atténuer les effets du marnage hydroélectrique. Donc ici, on se situe juste en amont d'un barrage hydroélectrique, donc CNR. Et donc on avait chaque jour en fait un marnage donc de 40 cm à peu près hein, qui s'appliquait sur le site. Donc l'eau montait de 40 cm, descendait. Donc le site très instable. Donc un petit seuil a été mis en place de manière à limiter ce marnage. Et tout de suite, on a vu les effectifs grimpés, voilà, décuplés. Donc là, ça a très bien marché pour le coup. Et jusqu'en 2015, où là, on a vu un effondrement à nouveau des effectifs de poissons qui fréquentaient le secteur. Donc 16, 17, 18, pourrait continuer 19, 20, les résultats sont à peu près les mêmes. Et tout ça s'explique probablement ben, simplement par ce réchauffement climatique, les effets. Donc là, on a une sonde thermique, hein, vous voyez ici, qui enregistre la température en continu chaque heure. Et donc ben, là, on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre d'une année, là, on est sur 2017. Et on voit par exemple que pendant pratiquement toute cette période-là, on a des températures qui dépassent 25 degrés dans l'eau. Et au-delà de 25 degrés, bah, pratiquement toutes les espèces de poissons du secteur se retrouvent un petit peu en souffrance. Il ne reste plus que les poissons très, très résistants à la chaleur, comme le poisson-chat, la perche-soleil, le carassin, etc. Et on dépasse même les 30 degrés sur certaines journées, en tout cas très chaudes. Donc là, clairement, le réchauffement climatique sur ces milieux qui sont très peu profonds a un impact vraiment majeur, tous ces milieux annexes du Rhône. Et voilà, ces faibles profondeurs font qu'on a peu ou pas de refuge thermique disponible pour les espèces. Et l'enchaînement de ces années caniculaires
finit par avoir un impact très très fort sur ses annexes et donc sur la productivité de poissons du site. Donc la survie de la plupart des espèces en fait se retrouve vraiment compromise, autant elles peuvent rester jusqu'au mois de mai voire juin, autant après il faut absolument qu'elles puissent regagner leur Rhône. Donc voilà, on a sans doute des migrations massives ou des fortes mortalités qui sont constatées. Alors cette dernière aspect, ça veut dire qu'il faut vraiment adapter quand on fait de la restauration de milieux, de grands milieux, d'annexes. Souvent on a tendance on avait en tout cas beaucoup tendance à recréer ces zones d'interface air, eau, très peu profonde, restaurer des hauts fonds de moins de 50 cm parfois. En fait, ces milieux-là sont vraiment très très vulnérables au réchauffement. Donc c'est important d'intégrer ce point dans la réflexion sur les aménagements et d'insister, de garder peut-être certaines zones avec des approfondissements, augmenter les connectivités avec la nappe, augmenter la connectivité avec le Rhône, avec des milieux refuges. Donc voilà, c'est des éléments en tout cas de réflexion qui pour nous semblent maintenant vraiment, vraiment essentiels. Et j'en termine, donc la présentation, c'était donner la parole, c'était un point de vue de poisson, donc quelques images, quelques revendications. Donc j'en ai terminé pour ma part. Bon Jean-Pierre, merci. Il est 16h, hein. Bon, je pense qu'on a... Bon, j'ai pas vu de question écrite, mais il y a eu une question sur savoir, tu l'as abordé sur un autre bassin, mais sur les impacts sur les autres compartiments de l'écosystème, donc que pas uniquement les espèces de poissons, mais tu l'as abordé un petit peu avec des espèces d'invertébrés. Donc du coup, c'était pas sur l'Iseron, mais voilà. Donc je pense que je sais pas si on peut déborder un petit peu au cas où il y a des questions. Adeline, je sais pas si oui, on a le droit. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des questions qui se posent, mais c'est vrai que c'est intéressant. Les sujets ont été balayés, y compris du point de vue du poisson et surtout les derniers exemples là, sur la projection de travaux qui étaient a priori programmés, que tu l'as évoqué sur la continuité, et de se reposer la question, non pas d'abandonner ce secteur, mais de se dire que peut-être la continuité, c'est peut-être pas le sujet principal pour les années à venir sur les cours d'eau que tu nous as présentés à la fin. Donc c'est d'où l'intérêt vraiment de s'obliger à se questionner, même si on n'a pas toutes les connaissances. Ben ça rejoint un peu l'objectif de la réunion, hein, c'est que je pense qu'il faut vraiment qu'on amplifie ce questionnement, parce que je pense qu'on ne le fait pas assez et on peut peut-être aller vers des bêtises, voire même des aberrations économiques, hein, d'investissement public, tout simplement. Hein, après, ça repose la question, mais je crois que Benoît l'a reposé aussi, du questionnement aussi de la réglementation, hein, de certaines réglementations, de certains indices, de certains seuils qui sont posés aujourd'hui, qu'il faudra peut-être remettre sur la table à un moment donné. Peut-être qu'il faudra se reposer ces questions-là. Ça ne veut pas dire abandonner les milieux, mais ça veut dire se reposer les questions différemment. Ce n'est pas pour faire le mot de conclusion, hein, mais c'est simplement quelques éléments que les présentations m'inspirent. Et peut-être susciter d'autres questions. Non ? Bon, en tout cas, j'espère que ce type de restitution, de témoignage, ça vous intéresse ? Ce serait intéressant je ne sais pas si Adeline, il y a des questionnaires ou des avis qu'on peut recueillir pour savoir si on poursuit dans ce sens-là, dans d'autres sections régionales, ou qu'est-ce qui manque. Ça serait bien qu'à un moment donné, on puisse avoir vos retours, en tout cas pour ceux qui ont participé. Ça serait intéressant d'en tirer certaines leçons et de voir un peu comment on peut y retravailler encore mieux pour les prochaines fois. Et puis j'espère aussi, à un moment donné, de le faire en présentiel, c'est quand même plus dynamique. Tout à fait, oui, on vous transmettra donc à l'ensemble des participants un questionnaire de satisfaction justement pour vous sonder également sur la suite à donner à cet événement. Et on pourra vous partager les présentations. Voilà.
Bon, bah écoutez, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier en tout cas pour ceux qui ont participé. Et puis j'espère qu'on va pouvoir organiser d'autres séances de ce type-là et démultiplier un peu ce questionnement. En tout cas, n'hésitez pas à en parler si ça vous a plu, parce que je pense que c'est important qu'on accélère la réflexion pour les années à venir et vraiment aborder les choses avec la plus grande efficience possible pour nos cours d'eau. Voilà, bah écoutez, merci encore. Je vois qu'il y a encore quelques participations par écrit. Je ne sais pas comment on conclut, Adeline, c'est toi qui me dis. C'est comme ça, voilà. Voilà, ok, d'accord. Bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à d'autres moments, si on peut échanger entre nous, bah, avec plaisir. Voilà, à bientôt.